On m'a proposé un titre, ou j'ai proposé un titre, je ne sais plus dans quel sens ça s'est passé, qui mélange trois éléments qui... Il y en a deux qui sont toujours les mêmes, climat et énergie. Un qui concerne normalement un peu plus les étudiants, génération future, encore qu'il y en a quelques-uns dans la salle qui ont un peu passé l'âge de l'être, mais bon. Et donc, je vais essayer de vous parler de ces trois éléments. Alors, je vais aussi vous faire une promesse de Gascon, puisqu'on est un peu plus près de la Gascogne ici qu'à Paris, qui a décidé de ne pas être trop long pour qu'il y ait de la place pour les questions. On verra si j'y arrive. Donc, tout à l'heure, on vous a parlé de la COP 25. Moi, je vais commencer par quelques années avant, c'est-à-dire la COP 21. Qui dans la salle sait ce que veut dire COP ? Voilà. Est-ce que dans les mains qui ne se lèvent pas, il y a un journaliste ? Non ? Bon. Alors, COP, ça veut dire Conference of the Parties. Qui sait ce que sont les parties ? Pas d'explication grivoise, s'il vous plaît. Non, qui sait ce que sont les parties ? Alors, les parties, en fait, c'est des pays. Dans le jargon onusien, les parties, c'est tout simplement des pays qui ont accepté un traité. C'est-à-dire qu'ils ont commencé par le signer, puis ensuite ils l'ont porté devant leur représentation nationale, et la représentation nationale, soit le Parlement, soit un référendum, a accepté que ce traité soit opposable au pays. Ça s'appelle une ratification. Donc les parties, dans le jargon onusien, et non pas dans la bouche de Coluche, c'est tous les pays qui ont signé un traité et derrière qui l'ont ratifié. Alors là, en l'occurrence, les parties qui sont concernées, c'est les pays qui ont ratifié la Convention climat, ou plus exactement, avec le superbe jargon onusien que j'adore, l'UNFCCC, c'est-à-dire United Nations Framework Convention on Climate Change, voilà, qui en français s'appelle la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, et qu'on raccourcit souvent en Convention climat. Donc une fois que la Convention climat entre en vigueur, il y a donc des parties, c'est-à-dire les pays ratificateurs, qui sont en l'occurrence à peu près tous les pays du monde. Et ces pays, ils ont pris un certain nombre d'engagements au titre de la Convention, et il y en a un qui prennent en particulier, c'est que tous les ans, ils envoient des représentants, en fait deux fois par an, il y en a une réunion à Bonn en juin, et puis la grande messe annuelle qui se passe en novembre ou décembre, en changeant de pays tous les ans, et qui s'appelle la COP quelque chose. Alors la COP 15, par exemple, s'est tenue à Copenhague. Ça a été qualifié de grand échec, vous savez, en 2009. J'y étais, ça se discute que c'était un échec. La COP 21 a eu lieu à Paris et c'est donc un grand succès. Et vous voyez qu'à la fin de la COP 21, M. Fabius, absolument ravi, lève son grand marteau de commissaire-priseur tout vert et déclare l'accord de Paris adopté. Alors l'accord de Paris s'inscrit donc dans le cadre de la Convention climat. Qui a été signée en 1992 et ratifiée en 1995. Elle date donc de 1992. Alors en 1992, la Convention climat dit que les pays sont préoccupés, patate et chiffon, et qu'ils s'engagent à faire des choses pour les générations présentes et futures. Alors qui dans cette salle est né après 1992 ? Ben voilà, ben tous les gens qui viennent de lever la main sont des générations futures. Voilà. Donc les générations futures... On ne s'en occupe pas demain ou après-demain. On doit déjà s'en occuper depuis 1993. D'accord ? C'est depuis 1993 qu'on doit s'occuper des générations futures. Donc l'essentiel des générations futures dont on doit s'occuper sont déjà des générations passées. Des mauvaises nouvelles pour vous. Hein. On doit déjà s'en occuper... c'est déjà en fait des générations passées. Donc à chaque fois qu'aujourd'hui vous voyez quelqu'un vous parler de génération future, en fait vous barrez futur et vous remplacez par passé et présente, parce qu'il n'est pas du tout question de futur dans cette histoire. Il est déjà question de s'occuper des gens qui sont nés et bien nés, hein, et qui sont directement concernés par ce que je vais vous raconter. Alors il y a un certain nombre d'entre eux qui considèrent que pour le moment on n'est pas vraiment en train de faire le job, et il y a une forme d'agitation. Qui est en train de monter en ce moment, dont l'une des figures emblématiques qu'évidemment tous les jeunes dans cette salle connaissent, c'est Greta Thunberg. C'est pas la seule. Alors ça produit un effet intéressant qui est de faire monter le système en pression. Il y a une autre initiative que vous avez peut-être entendue, que je vais évoquer et qui vous êtes peut-être familière dans cette salle, qui est le manifeste des étudiants pour un réveil écologique. Ça dit quelque chose à quelques personnes. Voilà. Ça participe de cette même démarche qui est la jeune génération qui vient tirer les adultes par la manche en leur disant, enfin les adultes, les plus vieux on va dire, par la manche en leur disant, dites donc, il faudrait peut-être commencer à s'agiter sur la question. De temps en temps, ils s'agitent, mais pas nécessairement dans la bonne direction. Une des choses que je vais vous expliquer ce soir aussi, c'est que quand on commence à exhorter un décideur de prendre des décisions
sur un dossier qu'il ne connaît pas, 3 fois sur 4, en général, il fait une connerie. Parce qu'il va devoir absolument et dans l'urgence justifier de faire quelque chose qui parle à la population ou qui parle à ses salariés, ou etc., alors qu'il ne connaît pas le dossier, qu'il n'a pas les ordres de grandeur, qu'il n'a pas eu le temps de creuser, etc. Et donc, il va faire un truc qui est, vu de quelqu'un qui a un peu creusé le dossier, en général à côté de la plaque. Et là, vous en avez un très bon exemple. Vous en avez d'autant plus un très bon exemple que quand vous regardez, je n'ai pas peur des mots dans ce que je veux dire, quand vous regardez la justification qui est faite sur le site du gouvernement ou dans les discours de Mme Borne de la fermeture de Fessenheim, vous avez affaire à un mensonge d'État. C'est-à-dire que cette fermeture est justifiée au nom de la décarbonation. Donc c'est un mensonge d'État, parce que c'est sur le site du gouvernement et c'est mis en avant par un ministre de la République. Voilà. Ce n'est pas le seul exemple, il y en a d'autres, mais enfin celui-là est particulièrement croquignolesque. Alors quand on parle de climat, si on en revient aux faits, ou plus exactement de changement climatique, on commence par parler d'émissions de gaz à effet de serre. Si je reprends le problème un tout petit peu depuis le début, la Terre a un climat depuis qu'elle a une atmosphère, et elle a une atmosphère depuis quelques milliards d'années. Donc on n'est pas les inventeurs du climat, et on n'est même pas les inventeurs du changement climatique, puisque depuis que la Terre a une atmosphère, elle a un climat qui varie. Sur des plages de temps qui sont plus ou moins longues, la Terre a été quasiment totalement englacée à certaines époques, considérablement plus chaude qu'aujourd'hui à d'autres, etc. Donc le climat de la Terre varie, a toujours varié naturellement. Et sur les 3 derniers millions d'années, ce qui a provoqué la grande oscillation du climat planétaire, c'est ce qu'on appelle le cycle des glaciations et des déglaciations. Et cette oscillation est due au fait que le mariage de la Terre et du Soleil n'est pas un mariage très paisible à 2, vous savez, unis pour la vie. C'est un mariage à 10, le système solaire. Et la Terre subit notamment l'attraction de Jupiter et de Saturne, qui fait que son orbite se déforme légèrement au cours du temps. Et cette déformation de l'orbite au cours du temps a provoqué les grandes oscillations glaciaires-interglaciaires qu'on a connues au Quaternaire. Notre espèce se sédentarise il y a 10 000 ans, au moment où on sort de la dernière déglaciation. Et depuis 10 000 ans, le climat planétaire est raisonnablement stable. Et c'est ce qui vous a permis d'être dans cette salle, pardon, et c'est ce qui m'a permis d'être dans cette salle, parce que ça a permis à l'humanité de s'adapter progressivement et très lentement à des conditions environnementales qui, elles, sont restées très stables. Si le climat avait changé tous les 4 matins, avait continué à changer tous les 4 matins il y a 10 000 ans, vous ne seriez pas dans cette salle et moi non plus. Jamais on n'aurait fait des civilisations sédentaires avancées. Avancées, enfin, c'est une question de point de vue. Mais... civilisation sédentaire, en tout cas. Alors, dans cette histoire, un des éléments qui fait varier le climat planétaire, c'est la quantité de gaz à effet de serre que vous avez dans l'atmosphère. Alors, un gaz à effet de serre a une définition en physique qui est très très simple. C'est un gaz qui est capable d'intercepter les infrarouges terrestres. Vous savez que la surface de la Terre, qui est aux alentours de 0 degré, un peu plus chaud, 15 degrés, on va dire, Celsius, donc aux alentours de 300, un peu moins de 300 Kelvin, rayonne dans l'infrarouge. Et à cette température-là, l'infrarouge qui est rayonné est de l'infrarouge lointain, qu'on appelle lointain. Dans l'atmosphère, vous avez un certain nombre de gaz qui ont la capacité d'absorber ces infrarouges lointains, exactement comme un rideau absorbe la lumière. Et la lumière ne passe pas à travers le rideau. Eh bien, les infrarouges lointains émis par la surface ne passent pas à travers les gaz à effet de serre rencontrés dans l'atmosphère. D'accord ? Ils sont absorbés. Et ce que nous sommes en train de faire, nous, les hommes, c'est que nous sommes... et les femmes, il faut être inclusif là aussi, c'est de rajouter des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, avec un certain nombre de choses dont je vais vous parler dans pas longtemps. Alors, il y a plusieurs manières de présenter les gaz à effet de serre, les émissions, pardon. On peut les présenter par grandes sources ou on peut les présenter par activité. Alors là, je vais faire un mélange des deux. Le premier des gaz à effet de serre que nous émettons, c'est le dioxyde de carbone. Alors, le premier gaz à effet de serre présent dans l'atmosphère, c'est la vapeur d'eau. Mais les hommes n'ont pas d'impact sur la concentration atmosphérique de vapeur d'eau. D'accord ? Nos émissions à nous de vapeur d'eau ne changent rien, tout simplement parce que la Terre est une énorme machine à évaporer, couverte aux 2/3 d'océan, et donc ce n'est pas nous, avec nos ridicules bras microscopiques, qu'on va changer quoi que ce soit aux émissions, enfin à la quantité de vapeur d'eau dans l'atmosphère. Sans compter que la vapeur d'eau ne peut pas s'accumuler dans l'atmosphère, donc si vous en rajoutez et qu'il y en a trop, il pleut. Et la vapeur d'eau s'évacue. Donc on ne peut pas accumuler de vapeur d'eau dans l'atmosphère, ce qui pilote la quantité de vapeur d'eau dans l'atmosphère, c'est la température et les grandes sources naturelles locales. Le CO2 est le deuxième gaz à effet de serre par ordre d'importance. Et là, on commence, nous, à changer la donne. Je vous le montrerai dans pas longtemps. Alors, avec quoi est-ce qu'on fait du CO2 ? En oxydant du carbone. La chimie RN, on ne sait pas faire du CO2 autrement qu'en oxydant du carbone. Alors, où est-ce qu'on trouve du carbone à oxyder ? Dans le charbon, quand on brûle du charbon, ça oxyde du carbone. Dans le pétrole, pardon, quand on brûle des hydrocarbures liquides, il y a du carbone dedans, donc ça brûle.
Quand on brûle du gaz, tout naturel qu'il soit, ça fait aussi du CO2. Ces trois premiers termes sur les émissions viennent de ce qu'on appelle les énergies fossiles. Alors pourquoi fossiles ? Tout simplement parce que c'est des restes de vie anciennes, donc ce sont des fossiles. Le charbon, c'est des restes de fougères qui ont poussé il y a très très longtemps, à l'ère du charbon, 300 millions d'années. Et le pétrole et le gaz sont des restes d'animaux marins et de plantes marines, des algues et du plancton, microalgues et du plancton, qui ont vécu dans l'océan n'importe quand, entre il y a 5 millions et 400 millions d'années. Donc, il était une fois du plancton et des algues qui, ensuite, sont tombés au fond de l'océan, ont été cuits par la, par la chaleur géothermique après être enfouis. Ça a donné du pétrole et du gaz. Et la même chose avec des fougères, ça a donné du charbon. Et aujourd'hui, quand vous ressortez ça et que vous le brûlez, ça fait du CO2. Vous avez du CO2 dans la déforestation. Alors, la déforestation est un transfert de carbone d'un stock forestier vers l'atmosphère en coupant et en brûlant ce qui se trouve dans une forêt. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Pour libérer des surfaces agricoles. Le premier déterminant de la déforestation de très très loin, c'est l'augmentation des surfaces agricoles demandées par une humanité qui est de plus en plus nombreuse. Donc en fait, le premier déterminant de la déforestation, c'est la croissance démographique. Vous avez un autre gaz à effet de serre présent dans l'atmosphère qui s'appelle le méthane. Le méthane est le gaz de la putréfaction, c'est celui des marécages, des feux follets. Et les sources humaines de méthane sont soit liées à l'exploitation des combustibles fossiles, parce que c'est la principale molécule du gaz naturel. Il y a aussi du gaz dissous dans le pétrole, et il y a du gaz dissous dans le charbon. Tout ça fait des émissions de méthane. Et vous en trouvez dans les phénomènes de fermentation à l'abri de l'oxygène de l'air que nous augmentons par nos activités dans les rizières et avec l'élevage des bovins. Et enfin, ici, vous avez des trucs en plus, les fluides frigorigènes, etc. Remarquez cette courbe qui part de 1850 et... Regardez avec quelle régularité elle n'arrête pas d'augmenter. Et remarquez deux choses. Si je vous demande de me placer sur cette courbe, l'essor des énergies renouvelables ou la dématérialisation de l'économie, oui, vous pouvez la regarder comme ça, vous pouvez la regarder comme ça, etc. Vous ne trouverez pas la réponse. La réponse, c'est que quand vous regardez cette courbe, vous ne voyez nulle part une dématérialisation de l'économie qui, grâce à l'envolée des services, aurait fait que les émissions se seraient arrêtées d'augmenter. Et vous ne trouvez nulle part l'essor des énergies renouvelables qui fait que, grâce à leur développement, les émissions auraient arrêté d'augmenter. Donc pour le moment, ce qui se passe, c'est que les émissions n'arrêtent pas d'augmenter. Et quand on dit qu'il y a quelque chose qui est en train de jouer un rôle de manière significative, en fait, vous n'en voyez pas la trace dans cette évolution. Vous voyez, donc, peut se raconter qu'il se passe des choses. Peut-être, mais en fait, il ne se passe rien. En fait, le seul truc qui a très, dans le passé très récent, a eu un effet réel, s'appelle le coronavirus. Ça marche. Et vous verrez à la fin de cet exposé que, en fait, si on ne gère pas les choses volontairement, c'est plutôt des trucs genre coronavirus qui se chargeront de les régler pour nous. Hein, le genre de truc qu'on aura. Donc, une bonne partie des émissions vient de l'énergie, mais pas la totalité, loin s'en faut. Ce que vous voyez sur ce graphique, c'est qu'en gros, l'énergie fossile, c'est 55-60% des émissions de gaz à effet de serre des hommes. Hein, il reste un gros 40% qui vient d'autre chose. Donc s'occuper d'énergie, c'est bien, c'est indispensable, c'est pas la totalité de ce qu'il faut faire. Manque de peau, même faire des trucs en plus. Voici maintenant une décomposition des émissions à date, c'est-à-dire en 2018, mais présenté, enfin 2017 en l'occurrence, mais présenté d'une toute autre manière. Donc là, vous voyez, c'est historique et c'est par gaz, en gros, par gaz et par source. Maintenant, je vais vous les présenter par activité, avec un découpage maison, qui, en ordre de grandeur, est le bon, qui va vous donner une autre vision de la chose. 20% des émissions planétaires, au moment où on se parle, sont le fait des centrales à charbon. Donc les seules centrales à charbon sur Terre, c'est 20% des émissions humaines. Vous avez un grand débat en France qui vient d'être lancé avec ce qui s'est passé avant-hier sur nos 63 gigawatts de nucléaire qui émeuvent tout le monde. Il faut savoir que dans le monde, vous avez non pas 63, mais 2000 gigawatts de centrales à charbon. D'accord ? C'est un peu plus sérieux. Qui produisent 40% de l'électricité planétaire. Le charbon est de très loin la première manière de produire de l'électricité dans le monde. Pourquoi ça ? Parce que la façon dont on produit l'électricité sur la planète, c'est essentiellement en faisant bouillir de l'eau. Donc on a des grosses bouilloires où la chaleur est faite soit par le charbon, soit par le gaz, soit par le nucléaire, soit par le pétrole. Et une fois qu'on a fait bouillir de l'eau, c'est-à-dire créer de la vapeur sous pression, on fait tourner les ailettes d'un alternateur et on fait de l'électricité comme ça. Les ailettes d'une turbine, pardon, et on entraîne un alternateur, excusez-moi, et on fait de l'électricité comme ça. Donc le charbon, 40% de l'électricité mondiale et 20% des émissions.
Le gaz, c'est 7% pour faire de l'électricité. C'est 25% de l'électricité mondiale, enfin 23%, et c'est 7% des émissions. Donc la production électrique, charbon et gaz, c'est un gros quart du problème. Quasiment 30% du problème. Les cimenteries, c'est 6% des émissions. Les cimenteries, c'est le premier émetteur, c'est le premier secteur émetteur de l'industrie, tout simplement parce que pour faire du ciment, vous cassez des molécules de calcaire, de carbonate de calcium, CaCO3, évidemment, vous savez ça par cœur. Vous cassez ça en deux pour faire à la fois de la chaux vive et du CO2. La chaux vive, vous la mélangez avec 3 poudres de perlimpinpin et ça vous fait le ciment. Et le CO2 part dans l'air. Et il faut également chauffer les fours. Donc 6% des émissions. Le reste de l'industrie en émissions directes, donc je ne parle pas de l'électricité qu'a consommée l'industrie, qui se trouve là-dedans, hein, mais les émissions directes des fours, c'est 11%. Et là-dedans, l'aciérie fait à peu près 4%. Donc l'acier et le ciment, qui sont les constituants indispensables aujourd'hui pour construire les villes, construire les bâtiments et construire les infrastructures, c'est 10% des émissions. Construire des villes, ça émet, autant qu'on veut. Hein. 5% des émissions planétaires sont le fait du chauffage des bâtiments. Alors vous allez me dire, c'est pas beaucoup. Effectivement, pour l'ensemble de la planète, c'est pas beaucoup, tout simplement parce qu'une bonne partie des bâtiments sont situés dans des endroits où on n'a pas besoin de se chauffer. Alors à Montpellier, on se chauffe encore aujourd'hui, mais patience, en 2050, ça sera plus utile. Ça sera moins utile. Donc 5%, et quand on climatise, évidemment, les émissions correspondantes à nouveau sont là. Elles ne sont pas dans les émissions directes des bâtiments. Donc 5%, c'est les émissions directes des bâtiments. Les transports, c'est de l'ordre de 14. Là-dedans, les voitures, c'est 6. Les camions, c'est 4. Et les avions et les bateaux, c'est 2 chacun, en gros. Donc vous voyez que les cimenteries et les voitures, c'est un problème du même ordre de grandeur. Je ne vous ai pas mis ça sur ce camembert parce que c'est encore un autre découpage de l'activité, mais le digital et les camions, c'est un problème du même ordre de grandeur. Aujourd'hui, le numérique, c'est-à-dire la fabrication annuelle de ça, du vidéoprojecteur, de tous les écrans de télé connectés que vous avez chez vous, de tous vos smartphones, de tous vos ordinateurs, de tous les serveurs, de tous les réseaux de télécom, etc. La fabrication et le fonctionnement, chaque année, de ce truc-là, c'est 4% des émissions planétaires. Donc c'est autant que la flotte mondiale de camions. Ça augmente de 10% par an. Il n'y a rien de moins durable que le numérique. Pas trouver un truc moins durable. C'est la raison pour laquelle vous ne voyez pas la dématérialisation sur les émissions que je vous ai montrées tout à l'heure. C'est juste parce qu'il n'y a pas de dématérialisation. Ça n'existe que comme slogan journalistique sur le journal. Mais sinon, ça n'existe pas. Alors dans le journal, il y a plein de trucs qui n'existent que dans le journal. Ce n'est pas un cas particulier. Les émissions d'origine agricole, c'est 20% des émissions. Là-dedans, vous avez deux sources importantes. La première, c'est le méthane qui naît dans les estomacs des vaches. Je dis bien les parce qu'elles en ont 4. Et dans les rizières, vous avez également les émissions de protoxyde d'azote, qui est un gaz qui émane des champs quand on met des engrais azotés dessus. Même si les engrais azotés, c'est des cacas de peau de cochon, quand même des émissions de protoxyde d'azote. 10%, le diesel des tracteurs est marginal dans cette affaire. Hein. C'est surtout les émissions dont je viens de parler. La déforestation, c'est 10%. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est essentiellement quelque chose qui est un déterminant amont de la production agricole. Donc on peut considérer qu'aujourd'hui, la fonction alimentaire au sens large, c'est 30% des émissions sur Terre. Et enfin, vous avez des poutres de perlimpinpin diverses, là, les systèmes de froid, la gestion des déchets, etc. Alors, ce camembert vous montre que des émissions aujourd'hui, il y en a d'associées à absolument tout ce que nous faisons. Il y en a associées au fait de manger, il y en a associées au fait de fabriquer les vêtements que nous portons, les meubles que nous avons chez nous, les chaises sur lesquelles nous sommes assis, les chaussures que nous portons, les voitures et les tramways dans lesquels on monte, etc. Vous en avez absolument partout des émissions de gaz à effet de serre. Et donc le problème que nous avons à gérer n'est pas du tout un problème aussi simple, parce que le parallèle a parfois été fait, que le trou dans la couche d'ozone. Alors qui en l'occurrence n'est pas un trou et pas une couche, mais peu importe. Le trou dans la couche d'ozone, c'était dû à quelques substances fabriquées par quelques chimistes. C'était un petit sous-secteur de l'économie mondiale. Et au moment où le très gros du secteur, c'est-à-dire Dupont, a trouvé un substitut à ce qui causait un problème, il s'est dépêché de pousser à la roue pour qu'on signe l'accord, le protocole de Montréal, en se disant comme ça, on va mâcher mon substitut et tous les concurrents vont faire faillite. C'était exactement ça son calcul. Et donc à ce moment, le problème a pu être adressé, comme disent les Anglais. Là, on est sur quelque chose qui est systémique.
C'est-à-dire que c'est partout et tout le temps. Il n'y a pas un secteur qui y échappe. Et donc, ça va demander de changer tout partout, tout le temps, de traiter ce problème. Et si on ne le traite pas volontairement et qu'il se traite involontairement, ça changera aussi tout partout, tout le temps. Dit autrement, pour les plus jeunes d'entre vous, discutez de ce que seront vos retraites en 2060 en se foutant de ce problème-là, c'est discuter du sexe des anges. Voilà, on peut discuter du sexe des anges si on veut, c'est un passe-temps très agréable, ça a une portée pratique limitée. Le dioxyde de carbone est un oxyde, puisque le dictionnaire est bien fait. Les oxydes sont des molécules qui sont extrêmement stables sous forme d'oxyde. D'accord ? Donc un oxyde, une fois qu'il est sous forme d'oxyde, eh ben, si vous ne lui amenez pas d'énergie pour qu'il soit sous une autre forme, il reste sous forme d'oxyde et il se trouve très bien. Tous les minerais métalliques, par exemple, sur Terre, les métaux oxydables se trouvent toujours sous forme d'oxyde parce que c'est la forme stable sous laquelle on les trouve. Alors le dioxyde de carbone, une fois qu'on l'a mis dans l'atmosphère, il est comme tous les oxydes, il est stable, il se trouve très bien sous forme d'oxyde, ce qui veut dire qu'il n'y a aucun processus chimique spontané d'épuration du dioxyde de carbone de l'atmosphère. D'accord ? Il n'y a rien, il n'y a pas de balayette à CO2 pour enlever le CO2 de l'atmosphère au sein de l'atmosphère. Les deux processus d'épuration du CO2 de l'atmosphère sont des processus de contact à la surface. À la surface de l'océan, il y a un système de vases communicants. S'il y a une surpression de CO2 dans l'atmosphère, une partie de ce CO2 passe dans l'océan. C'est un processus de vases communicants. Et c'est réversible, soit dit en passant. C'est-à-dire que si un jour vous arrivez à retirer de grandes quantités de CO2 de l'atmosphère, à ce moment, une partie du CO2 qui est rentré dans l'océan ressort. D'accord ? C'est vraiment un système de vases communicants. Et un autre phénomène de contact, c'est la photosynthèse. Mais pour ça, il faut que vous ayez vos copains de l'agro qui fassent pousser des vignes, accessoirement d'autres trucs. Parce qu'il faut des plantes qui soient capables de reprendre le CO2 de l'atmosphère avec une assistance énergétique, qui est un photon. C'est pour ça qu'on parle de photosynthèse. D'accord ? Si vous mettez votre plante illégale dans un placard sans lumière, ça ne marche pas. Donc il faut absolument de l'énergie pour que le système fonctionne. À cause de cette grande stabilité chimique du CO2 une fois dans l'air, il faut avoir en tête un ordre de grandeur qui est dramatique dans cette histoire, c'est qu'après arrêt des émissions, je dis bien après arrêt des émissions, le surplus de CO2 que nous avons créé dans l'air ne se résorbe pas instantanément, et non seulement il ne se résorbe pas instantanément, mais il met extrêmement longtemps à se résorber. Au bout d'un siècle, c'est ça que vous dit le début de ce graphique, après arrêt des émissions, 40%, plus ou moins 10%, du surplus de CO2 que nous avons créé est toujours au-dessus de nos têtes. Un millier d'années après, 20% est toujours au-dessus de nos têtes. Et 10 000 ans après, 10% est toujours au-dessus de nos têtes et il sera quasiment pour une forme d'éternité. On est donc en train de parler d'un processus qui va perdurer sur des échelles de temps qui dépassent de très loin une vie humaine et qui dépasse surtout de très loin la personne qui vient de décider de fermer Fessenheim. On est donc sur des échelles de temps dans cette histoire qui sont absolument considérables. Alors, ce que je vous dis emporte plusieurs conséquences. La première, c'est qu'aujourd'hui, les pas de temps qui sont caractéristiques de nos systèmes de gestion sont totalement inadaptés à gérer, pour un problème comme ça. D'accord ? Quand vous êtes dans un monde dans lequel il y a une élection tous les 5 ans et en pratique, quelqu'un qui pense à sa réélection 2 ans après son élection, quand vous avez un monde dans lequel on cote les entreprises en continu, on leur demande des comptes tous les trimestres et la stratégie de long terme, c'est 3 ans, quand vous êtes dans ce genre de monde, il n'y a aucune chance que vous arriviez à régler par anticipation un problème qui s'échelonne sur des pas de temps aussi longs. Donc ce que je suis en train de vous dire, c'est que la planète étant essentiellement gouvernée par des démocraties, le seul grand pays émetteur sur Terre qui ne soit pas une démocratie, c'est la Chine. Mais sinon, vous prenez derrière, c'est que des démocraties. Les États-Unis, imparfaites peut-être à vos yeux, mais des démocraties. Les États-Unis, l'Inde, la Russie, etc. Tout ça, c'est des démocraties. Toute l'Europe, toute l'Amérique latine, etc. Tout ça, des démocraties. L'Australie. Donc, l'essentiel des émissions planétaires ont lieu dans des pays qui gèrent l'avenir sur des pas de temps qui dépassent rarement quelques années. Hein ? Ça va être très, très difficile de régler un problème comme ça avec ce genre de système de gestion. La deuxième conséquence qu'il faut avoir quand vous voyez ce truc-là, c'est qu'avec une telle durée de rémanence du CO2 dans l'air, le lieu d'émission n'a strictement aucune espèce d'importance puisque l'atmosphère se brasse en totalité sur une année à cause des vents.
Donc c'est la raison pour laquelle on a besoin d'un accord international, parce que sinon, une seule source d'émissions sur Terre peut suffire à enrichir la totalité de l'atmosphère planétaire en CO2. D'accord ? Il y a pas, tous les pays sont à égalité dans cette affaire en termes de contribution au problème. La troisième conséquence, beaucoup moins drôle, de ce que je suis en train de vous dire, c'est que le climat des 20 prochaines années, il est plié. Ou je le dis autrement, la dérive que nous allons continuer d'avoir sur les 20 prochaines années est totalement indépendante de ce que nous allons faire sur les émissions. Totalement indépendante. Quand on commence à s'agiter pour faire baisser les émissions, ça ne commence à changer la dérive climatique que 20 ans plus tard. C'est un peu comme si vous avez une voiture avec une pédale de frein, et puis quand vous commencez à appuyer sur la pédale de frein, vous attendez 20 ans avant que le freinage démarre. C'est exactement ça le parallèle. Okay ? Donc si vous êtes en vue du mur, ça ne change plus rien. C'est dramatique ce que je suis en train de vous dire, parce que ça veut dire par exemple que le climat de 2020 va disparaître, de toute façon quoi qu'on fasse, et qu'on ne le reverra jamais. Vous, dans cette salle, vous ne le reverrez jamais. Moi, je ne le reverrai jamais. Vos enfants ne le reverront jamais. Vos petits-enfants ne le reverront jamais. Vos arrière-petits-enfants ne le reverront jamais, etc. Perdu à jamais. Donc ce que je suis en train de vous dire emporte deux conséquences. Un, il y a une affaire de responsabilité quand même et de solidarité entre générations, un tout petit sujet là derrière. Et deux, il y a aussi un sujet d'adaptation qui est absolument évident, c'est-à-dire que quoi qu'on fasse sur les émissions, de toute façon, les baffes vont continuer d'augmenter. De toute façon. Greta Thunberg a raison de dire que pour le moment, nous ne sommes pas dans une action insuffisante, mais dans une absence totale d'action. Elle a dit une fois, la vérité, c'est pas qu'on ne fait pas assez, la vérité, c'est qu'on ne fait rien. Bon. Eh ben, elle a raison. Vous avez ici la quantité de CO2, si on cause et on fait des conférences, vous avez ici la quantité de CO2 qu'il y a dans l'atmosphère depuis, alors c'est une coïncidence, parce qu'au moment où j'ai trouvé, c'est pas un effet de mon narcissisme hyper développé, au moment où j'ai trouvé cette série, elle démarrait l'année de ma naissance. Bon. Je ne pense pas être à l'origine de l'augmentation de la concentration de CO2 à moi tout seul. Une responsabilité un peu lourde à porter. Et ce que vous voyez, c'est que donc, quand je suis né, il y a très très longtemps pour les plus jeunes d'entre vous, mais j'ai aussi eu une crise d'adolescence. Rappelez-vous que vos parents ont aussi eu des crises d'adolescence. De temps en temps, ça apaise les relations familiales de s'en rappeler. Donc il y avait 318 parties par million, 318 millionièmes de CO2 dans l'atmosphère. Au moment où on se parle, là, aujourd'hui, vous voyez qu'on est au-dessus de 400. Et ça continue d'augmenter. Et surtout, ce que vous voyez, c'est que, comme mes émissions tout à l'heure, la progression sur cette courbe est extrêmement régulière. Et là-dedans, vous ne voyez pas plus la dématérialisation, etc. Et vous ne voyez pas non plus le résultat de ce qu'on appelle les négociations climat. Vous voyez, il y a des gens qui se réunissent. Alors, il paraît que c'est un grand échec. Il paraît que c'est un grand succès. Pour le moment, la vérité, c'est que l'avis qu'on peut avoir sur une COP n'engage que la personne qui a un avis. Ça ne change rien. On pourrait ne pas les faire, ça serait exactement pareil. Alors là, c'est pas... Pourquoi est-ce que c'est ça? Parce que les Nations Unies, dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est un système remontant. L'Assemblée des Nations Unies, ça n'est pas un système dans lequel vous avez un chef, quelqu'un qui décide, et puis les autres qui s'exécutent. En fait, les Nations Unies, c'est un système sans chef. C'est un système où tout se décide à l'unanimité, par consensus, sans chef. Alors pour ceux d'entre vous qui sont suffisamment vieux dans cette salle, je vais prendre un parallèle que vous allez tout de suite comprendre. Imaginez une copropriété de 200 copropriétaires, d'accord, 200 copropriétaires, qui doivent rentrer un matin en assemblée de copropriétaires pour décider d'un programme de rénovation totale de fond en comble de chaque appartement et des parties communes de l'immeuble. Il n'y a pas de projet de résolution, il n'y a pas de syndic. Il y a un appartement, une voix. D'accord ? Chaque appartement possède une voix, que vous ayez le placard à balai du dernier étage, enfin du rez-de-chaussée ou le penthouse du dernier étage, une voix. Mais par contre, vous payez proportionnellement à votre surface. Donc vous rentrez en assemblée de copropriétaires et vous devez vous mettre d'accord à l'unanimité, par consensus, sur qui paye quoi et pour faire quels travaux, y compris à l'intérieur des appartements. Probabilité d'y arriver, zéro. Et ben les Nations Unies, c'est exactement pareil. Donc c'est un endroit dans lequel on ne fait que entériner ce que les gens sont déjà prêts à faire pour d'autres raisons que ce qui se passe pendant la négociation. C'est juste ça qui se passe. Et la COP21 a été un succès
parce qu'on a inventé un système dans lequel les gens pouvaient ne s'engager à rien. Donc comme ils ont tous accepté de s'engager à rien, on a dit que c'était un grand succès. Voilà. On a donc on a donc un problème qui vient de nos émissions de gaz à effet de serre, et une partie de ces émissions de gaz à effet de serre viennent de l'énergie. L'énergie dans ce pays, et encore une fois, l'actualité récente vient de le montrer, quand on prononce le mot énergie, les réflexes qui naissent chez les personnes qu'on a en face, alors pas dans ce genre d'assemblée, parce qu'on a affaire à des gens qui soit m'ont déjà entendu 10 fois, donc ils savent, soit ont eu envie de venir, et donc ils se doutent quand même d'un petit quelque chose. Mais si vous avez, j'ai envie de dire, vous proposez ce mot, comme ça, à la population prise dans son ensemble, les réflexes que vous allez avoir sont malheureusement des réflexes qui orientent mal le débat. Le premier réflexe qu'on va avoir quand on parle d'énergie est souvent de voir ça sous l'angle économique. Voilà un exemple. Vous voyez, vous parlez d'économie, d'énergie pardon, aux entreprises, il s'agit de pognon. Vous parlez d'énergie aux consommateurs d'énergie, c'est-à-dire là, à l'UFC, pognon. Vous parlez d'énergie à BFM, pognon. Vous parlez d'énergie aux gilets jaunes, pognon. Donc, le mot énergie suscite souvent en réaction dans la population l'idée que quand on parle d'énergie, on parle d'argent. Et du reste, à l'Élysée, c'est aussi à peu près comme ça qu'ils voient le problème. Alors malheureusement, ce raisonnement masque la dépendance réelle que nous avons à l'énergie, parce que quand on parle d'argent, on se rend compte que l'énergie, c'est pas beaucoup d'argent. Si vous mettez bout à bout la totalité de ce que la planète paye pour s'acheter du pétrole, du gaz et du charbon, vous arrivez à quelques pourcents de ce que les gens gagnent sur Terre. C'est pas beaucoup. Si vous regardez ce que les ménages payent pour l'énergie des logements, vous êtes à quelques pourcents du budget des ménages. 4%, 5%, d'accord ? Je parle pas des carburants. C'est pas beaucoup. Et si vous regardez ce que les entreprises payent pour l'énergie, c'est encore moins. Prenez une entreprise comme celle qui m'a amené ici aujourd'hui, qui s'appelle la SNCF. La SNCF, qui est le premier consommateur français d'électricité, ils consomment à eux tout seuls 1,5% de la production nationale, qui est probablement, sinon le premier, pas loin derrière, à mon avis, c'est le premier consommateur français de carburant, puisque vous avez tous les trains régionaux qui fonctionnent au diesel, plus les deux filiales qui opèrent des bus et des camions, qui est Aulis et Géodis. Bon. Eh bien, pour la SNCF, les achats d'énergie, c'est quelques pourcents de son chiffre d'affaires. C'est pas beaucoup. Ils ont un tout petit sujet. Ils ont un sujet plus important avec les salaires des cheminots. Donc, quelques pourcents. Et à ce moment, ce que fait n'importe quel homo economicus quand on lui parle d'un truc qui vaut quelques pourcents de ce qu'il dépense, c'est qu'il va y passer quelques pourcents de son temps. Je dirais, je peux faire un test très simple dans cette salle. Qui, parmi les étudiants, est locataire ? Qui parmi les locataires ne connaît pas le montant de son loyer ? D'accord ? Maintenant, parmi les mêmes, qui ne connaît pas le montant de sa dernière facture d'électricité ? Il n'y en a pas beaucoup, à mon avis, les autres, ils n'osent pas répondre. Alors, je vais poser la question à l'envers. Qui connaît à l'euro près le montant de sa dernière facture d'électricité parmi les locataires ? Non, parmi les locataires. Bon, ça va. Ça fait quand même le quart ou le cinquième, voire le dixième de ceux qui sont locataires. Donc voilà la démonstration par l'exemple, que c'est une petite facture, donc vous ne l'avez pas en tête. Et en fait, ça vous turlupine, pas plus que ça. Votre loyer est une grosse facture, donc ça, celui-là, il vous turlupine. L'électricité, bon. Alors ce raisonnement en part de camembert qui consiste à donner du temps à proportion de ce que ça coûte est un raisonnement qui masque les liens de dépendance. Exactement comme si je vous dis, votre cervelle, c'est 2% de votre poids. Donc, là, en avoir ou pas, ça joue sur 2% de ce que vous êtes. Voilà, c'est pas très grave. Et puis, pour les hommes dans cette salle, j'aurais pu prendre encore un autre exemple qui est la testostérone. C'est beaucoup moins que 2% de votre poids. Donc, en avoir ou pas, c'est pas très grave. Ça change rien. Je peux vous assurer que ça change un peu. Donc non, évidemment, ce genre de raisonnement, et comme nous sommes inclusifs, j'aurais pu prendre exactement le même exemple avec les estrogènes. Bon. Ce genre de raisonnement masque donc totalement le lien de dépendance que vous pouvez avoir entre un compartiment et le reste,
Et en fait, ce que vous allez voir dans la suite de cette présentation, c'est que l'énergie, qu'elle vaille 2, 3, 5, 10, 50 ou 95% de ce qu'on paye, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que 100% de ce que nous sommes en dépend. Exactement comme 100% de ce que vous êtes dépend du fait que vous avez une cervelle. Et que si je vous enlève votre cervelle, on ne peut pas dire que j'abîme 2% de votre corps. Hein. Le deuxième réflexe pavlovien qui vient à l'esprit quand on parle d'énergie, c'est qu'elle doit être économisée. Alors j'ai fait un petit test il n'y a pas longtemps. À force de radoter, j'en avais marre, donc je me suis dit, je vais mettre un peu de nouveauté. Et j'ai cherché dans Google la meilleure énergie. Vous savez, Google, quand vous mettez le début d'une recherche, il vous met derrière la recherche la plus courante qui complète le début de l'expression que vous avez mise. Hein. Et alors, vous voyez, si vous mettez la meilleure énergie dans Google, il ne vous met pas « l'énergie solaire » ou « le pétrole » ou « l'énergie nucléaire » ou je ne sais pas quoi. Hein. Non, c'est celle qu'on ne consomme pas. Bon. Alors, c'est doublement faux. D'abord, historiquement, c'est faux. La meilleure énergie est bien celle qu'on a consommée. Regardez à quoi ressemble la quantité d'énergie utilisée par les hommes depuis un siècle et demi. Manifestement, ils n'ont pas bien compris cette maxime. Hein. La meilleure énergie est manifestement celle qu'ils ont consommée. Et en fait, ce que nous allons voir aussi dans pas longtemps, c'est que c'est justement parce qu'on s'est gavé d'énergie jusqu'à maintenant que nous avons développé le monde dans lequel nous vivons, avec ses avantages et ses inconvénients. Mais c'est justement ça qui s'est passé. Alors, on ferme Fessenheim parce que nous allons être 100% renouvelables. Donc, nous allons avoir le monde merveilleux rifkinien dans lequel nous serons tous chez nous avec notre panneau solaire. Alors, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Le monde 100% renouvelable, il a existé. Il existe. Il existe. En voilà un exemple. Ça, c'est 100% renouvelable. Montpellier, il y a 3 siècles, était 100% renouvelable. 100% renouvelable. La civilisation romaine était 100% renouvelable. Bah oui, la civilisation romaine était 100% renouvelable. Ils n'utilisaient pas de pétrole, pas de charbon, pas de gaz, encore moins d'éoliennes et de panneaux solaires. S'ils avaient des moulins à vent, mais ça c'est renouvelable, mais pas de panneaux solaires modernes, et pas de nucléaire, 100% renouvelable. Donc le monde renouvelable, en fait, c'est le monde dont nous sortons. C'est le monde qui a été celui de la condition humaine depuis que l'espèce humaine existe jusqu'à il y a 2 siècles. Donc c'est possible, 100% renouvelable, il n'y a aucun problème. On a fait ça l'essentiel du temps de notre espèce. Ça ne pose aucun problème de faire un monde 100% renouvelable. Maintenant, la bonne question, c'est si le monde 100% renouvelable, c'est merveilleux, pourquoi est-ce que depuis 2 siècles, on s'évertue à faire exactement l'inverse de ce qu'il faudrait qu'on fasse aujourd'hui? Nous avions une marine 100% renouvelable. Vous voyez, un bateau en bois renouvelable, avec des voiles en coton et en lin renouvelables, des marins renouvelables, parfois renouvelé du reste, avançant avec du vent renouvelable. Bon, vous n'avez pas un produit dans cette salle qui soit arrivé de Chine, parce que c'est de là qu'il vient, sur un bateau à voile. Ils sont tous arrivés en marine fossile. Donc on a remplacé la marine à voile par la marine fossile. Si on a fait ça, c'est bien qu'on a dû y trouver un intérêt. Ça vient des transports terrestres, 100% renouvelables, avec un cheval renouvelable. Et quand on avait besoin de le renouveler, on le bouffait, du reste. C'est pour ça qu'il y avait des boucheries chevalines. Ah bah oui, on valorisait les animaux de trait, on n'avait quand même pas les laisser perdre. Mangeant de l'herbe renouvelable, tirant une charrette en bois renouvelable, etc. Et puis on s'est dit que quand même, pour remplir le supermarché du coin, les transports fossiles, c'était quand même mieux. On avait une agriculture 100% renouvelable. Et donc là, vous voyez un agro d'il y a 2 siècles. Non, pardon. Donc vous voyez un paysan renouvelable, derrière une paire de bœufs renouvelables, mangeant de l'herbe renouvelable, etc. Et puis on s'est dit que quand même, pour faire manger tout le monde pour pas cher, car aujourd'hui nous mangeons pour ridiculement peu cher, c'était quand même mieux d'avoir un tracteur fossile. Nous avions des travaux publics 100% renouvelables, donc on faisait des voies romaines lentement. Ça prenait du temps quand même. Maintenant, on fait des ronds-points. Alors, je ne sais pas s'il y a des promesses de ronds-points, parce que c'est les municipales en ce moment, en général. Municipales, les promesses de ronds-points. Beaucoup plus rapidement, grâce à... Si vous n'avez pas encore votre rond-point promis, allez-y, il y a encore un mois pour ça, enfin dans 15 jours. Nous avons des engins de travaux publics qui permettent de faire des ronds-points fossiles beaucoup plus rapidement. Nous avions une construction 100% renouvelable avec des ouvriers renouvelables, mangeant de la nourriture renouvelable, etc. Et pour faire Notre-Dame en V1, il fallait entre 1 et 2 siècles. En V2, ça ira plus vite, a dit Macron. Maintenant, pour faire de la construction fossile, vous arrivez à faire l'équivalent de Notre-Dame, c'est-à-dire une grosse tour à la Défense, moins jolie, mais bon, en beaucoup moins de temps. Grâce à la construction fossile, à des cimenteries fossiles, des aciéries fossiles, des grues fossiles, etc. Beaucoup plus vite. Nous avions de l'industrie 100% renouvelable. Vous voyez, un moulin à eau parfaitement renouvelable, avec une roue à eau tout à fait renouvelable, etc.
Et quand même, pour remplir le supermarché avec tout ce que vous pouvez y trouver, plus faire les voitures et le train qui m'a amené ici, c'est quand même un peu plus facile d'avoir de l'industrie fossile. Et enfin, nous avions des séchoirs à luzerne, 100% renouvelables, ça s'appelle le soleil, et voici un séchoir à luzerne moderne. Donc en gros, on passe notre temps à passer des énergies renouvelables qu'on connaît depuis très longtemps, aux énergies fossiles. Alors, de deux choses l'une, ou bien nos ancêtres sont malfaisants et sont des crétins patentés, c'est possible, voilà. Ou bien il y a de très bonnes raisons physiques à ce qu'ils aient fait ça, et à ce moment, nous ne ferons pas le chemin inverse à consommation constante. Dit autrement, nous ne resterons pas dans un monde à 15 000 dollars de PIB par personne en moyenne mondiale et à 35 000 en moyenne française dans un monde 100% ENR. Donc c'est possible, mais notre pouvoir d'achat sera divisé par 10 à 20. Si on veut, il n'y a aucun problème pour le faire. Nous faire croire que c'est possible dans un monde dans lequel notre pouvoir d'achat reste à peu près identique à ce qu'il est aujourd'hui, c'est un mensonge. C'est pas possible. Ça n'arrivera pas. Que nous dit la physique ? La physique nous dit que si je prends l'air qui souffle dans cette salle, l'air qui est contenu dans cette salle, donc en gros un peu plus là quand même, que je le déplace à la vitesse d'un début de bon Mistral, d'accord, et que je le fais passer dans une éolienne, eh bien je vais obtenir la même quantité d'énergie que ce que j'ai dans 3 millilitres de pétrole qui brûle. Alors je vous pose la question, à votre avis, est-ce que c'est plus simple d'aller faire un trou et de récupérer 3 millilitres, pas beaucoup, un tout petit machin comme ça, d'un pétrole que je peux utiliser exactement quand j'en ai envie, puisqu'une fois que je l'ai, j'ai une fonction de stock, d'accord ? Donc je peux m'en servir tout de suite, demain, après-demain, donc je veux exactement quand je veux, le jour, la nuit, bon. Ou est-ce que c'est plus simple de faire un gros moulin à vent pour se servir de l'énergie quand le vent souffle ? Et quand le vent souffle pas, ben, je m'en sers pas. La réponse est évidemment qu'à droite, c'est beaucoup plus simple qu'à gauche, et on le retrouve dans les prix, alors même que les prix aujourd'hui ne véhiculent pas toute l'information. Si vous avez un kilowattheure éolien aujourd'hui, il vaut quelques centimes sans la fonction de stock. Si vous rajoutez la fonction de stock, vous multipliez par 3 à 6. À droite, avec déjà la fonction de stock, vous avez un prix qui est quelques dizaines de fois à une centaine de fois inférieur. Et le prix de l'éolien aujourd'hui n'est même pas un prix que vous pouvez conserver dans la durée, parce que pour faire l'éolienne moderne, j'ai besoin du charbon et de la métallurgie, j'ai besoin du pétrole et des transports, et j'ai besoin du gaz et de la cimenterie. Le jour où je n'ai plus d'énergie fossile pour faire des éoliennes, mais juste d'autres éoliennes et des panneaux solaires, on en reparlera du prix de l'éolien. Il regrimpera d'un facteur 10 à 50. D'accord ? Ça ne peut pas durer. Donc aujourd'hui, ça ne marche que parce que c'est un artefact de marché dans un monde qui est dopé aux énergies fossiles. Le système n'est pas bouclé sur lui-même. Donc la raison pour laquelle on est passé des énergies renouvelables aux énergies fossiles, ce n'est pas parce que nos ancêtres étaient des crétins patentés, c'est parce que ça nous a permis de faire la bonne réponse à cette question, qui est que l'énergie, c'est ce qui permet d'être Superman pour de vrai. C'est ça l'énergie. Parce que l'énergie en physique, en fait, c'est la marque de la transformation, c'est ce qui met en mouvement quelque chose. Et donc, moi je vais vous le dire autrement, l'énergie, c'est des croquettes pour machines. C'est ça l'énergie. D'accord ? Vous avez des croquettes pour chat qui met votre chat en mouvement. L'énergie, c'est des croquettes pour machine. C'est ce qui permet de mettre la machine en mouvement. Et des machines, nous en sommes entourés partout et tout le temps. Vous avez ici un tout petit sous-ensemble des machines qui travaillent pour nous en permanence. Qui ce matin n'a pas mangé ? C'est pas bien, il faut se lever un peu plus tôt. Donc tous les autres ont mangé. Alors, comme disait Dujardin, vous vous êtes peut-être beurré la tartine, hein, ce matin en mangeant. Eh bien, pour faire ça, vous avez exploité à votre profit des milliers de machines. Vous n'en êtes pas rendu compte, mais vous avez exploité des milliers de machines. Vous avez commencé par exploiter, sans vous en rendre compte, une usine d'engrais qui a fait les engrais qui ont été épandus dans le champ de blé, qui a servi à faire le blé, qui a servi à faire la farine, qui a servi à faire votre tartine. Le blé ne devient pas directement des tartines. Vous avez aussi utilisé indirectement les tracteurs qui ont semé et récolté, le moulin qui a fait la farine, les camions qui ont transporté, le four qui a cuit, la cimenterie qui a fait le béton de la boulangerie où vous avez acheté votre baguette, etc. Donc, vous n'en êtes pas rendu compte. Vous avez utilisé, et puis je pourrais vous refaire la même chose sur l'élevage bovin, etc., la treilleuse, le frigo, la baratte, enfin bon, bref. Donc, vous ne vous en rendez pas compte. Mais le simple fait
de faire droit à cette délicieuse maxime de Dujardin, eh bien, à mobiliser à votre profit des milliers, des dizaines de milliers de machines, y compris celles qui ont fabriqué les vêtements des ouvriers qu'on n'autorise pas à arriver à poil à l'usine. D'accord ? Donc vous avez indirectement utilisé, et du reste personne n'est à poil dans cette salle, donc vous avez utilisé les mêmes machines quand vous avez enfilé vos vêtements. Et tous les gens dans cette salle qui possèdent sur eux des vêtements en fibre synthétique, il va y en avoir quelques-uns, possèdent tous un morceau de plateforme pétrolière. Parce que les fibres synthétiques, c'est de la pétrochimie. Donc, vous avez, encore une fois, une armée de machines qui travaillent pour nous aujourd'hui. Et quand vous regardez la puissance qu'elles développent, voilà ce que nous sommes devenus. Mais pour de vrai, nous sommes tous devenus Iron Man. Ou Iron Woman, je suis désolé. Donc, Iron Person, allez, soyons inclusifs d'entrée de jeu. Je vais me simplifier la vie. Nous sommes tous devenus Iron Person grâce à la totalité des machines que nous mettons en œuvre. Car ces machines sont surpuissantes par rapport à ce que nos muscles permettent de faire. Quand vous regardez, et je crois que j'ai prévu ce petit exercice juste après, oui absolument, quand vous regardez ce que les machines sont, enfin ce que l'homme est capable de fournir, se développer comme puissance, vous vous rendez compte qu'un cycliste bien entraîné, qui, pour ne pas le nommer, se tape 4000 mètres de dénivelé dans la journée, bien entraîné, eh bien, ses jambes développent une puissance moyenne de 100 watts pendant la journée où il fait ses 4000 mètres. D'accord ? Je ne sais pas si quelqu'un a déjà fait 4000 mètres de dénivelé dans la salle ici, il ne va pas y en avoir beaucoup. Donc, oui ? Bon, vous raconterez aux autres. Donc, 4000 mètres, c'est quand même un bel effort. 100 watts. D'accord ? Si vous utilisez vos jambes, vos bras toute la journée, c'est pareil, pas grand-chose, 10 watts. Alors, dans les locataires, ici, je pense qu'il y en a un certain nombre qui n'habitent plus chez papa et maman, donc vous êtes obligé de vous faire à manger. Non ? Oui, il y en a bien quelques-uns qui doivent se faire à manger. Dans les gens qui se font à manger ici, qui a déjà utilisé un mixeur à soupe ? Non, j'ai pas beaucoup de soupe. Hein. Vous devriez, c'est bon, il y en a des bonnes. Alors, je ne vais pas prendre le mixeur à soupe parce que sinon, c'est trop facile. Donc, je ne sais pas, vous faites des gâteaux de temps en temps. Donc, le truc qui permet de battre les blancs en neige. Allez, pareil. Qui a déjà battu des blancs en neige ? Ah, vous êtes un peu plus gourmand déjà. Bon. Ouais. À la fourchette, c'est difficile. Moi, je sais faire la mayonnaise à la fourchette, mais les blancs en neige à la fourchette, il faut y aller. Est-ce que vous avez une idée du nombre de cyclistes qui se mettent à pédaler pour vous quand vous appuyez sur le bouton marche-arrêt de votre batteur qui vous permet de monter les œufs en neige ? Combien de cyclistes doivent pédaler pour vous fournir la même puissance ? Ouais, pas mal. 5. Donc vous prenez un mixeur à soupe, là, vous savez, le petit truc qui fait bzit là, et qu'on plonge dans la soupe, lui, c'est 4 cyclistes. Votre batteur d'une marque que je ne nommerai pas, qui fait les œufs en neige, c'est 4 ou 5 cyclistes. Donc vous appuyez sur le bouton de ce genre d'engin, tout petit ridicule, et hop, vous avez 4 domestiques, 4 esclaves énergétiques qui se mettent à pédaler pour vous. Immédiatement, et sans rouspéter. Qui dans cette salle a déjà passé un aspirateur ? Ah ! Je ne sais pas avec quoi vous faites des tâches, puisque vous ne faites pas de soupe, mais bon, donc vous faites des tâches. Je repose la même question. Quand vous appuyez sur le bouton marche-arrêt de l'aspirateur, à votre avis, il y a combien de cyclistes qui se mettent à pédaler pour vous ? 10, j'ai entendu la bonne réponse. Petit aspirateur. 15 gros aspirateurs. D'accord ? Un aspirateur moderne fait entre 1000 et 1500 watts, 2000 pour les vraiment très très gros. Donc au moment où vous appuyez sur le bouton marche-arrêt de l'aspirateur, paf, 15 cyclistes qui se mettent à pédaler pour vous. C'est génial, non ? Voilà, ils apparaissent par la magie. Qui a déjà pris un ascenseur ? Alors, où il y en a qui n'écoutent pas ? Ou alors, vraiment, vraiment, vraiment ? Bon. Un ascenseur, c'est quelques dizaines de cyclistes qui se mettent à pédaler pour vous quand vous appuyez sur le bouton marche-arrêt. D'accord ? Donc, il y a 50 cyclistes, là, planqués dans la cave. Vous appuyez sur le bouton marche-arrêt de l'ascenseur et paf ! Ils se mettent à pédaler. Qui est déjà monté dans un tracteur ? À votre avis, le tracteur, combien de cyclistes ? 300, c'est un petit tracteur. En gros, un tracteur de 60 kW, le tracteur de 30 kW, c'est quand même des tout petits tracteurs. Il doit y avoir des vieux Massey Ferguson qui font ça, ou des petits enjambeurs de vigne. Mais sinon, un tracteur, on va dire, tout venant, c'est quelques dizaines de kilowatts. Donc, il tracte comme quelques centaines de paires de jambes ou quelques dizaines d'animaux de trait. L'arrivée des tracteurs dans les champs est un des éléments qui a vidé les campagnes.
Ce n'est pas le seul, mais c'est un des éléments. Ce qui explique que tous les pays qui commencent à avoir un approvisionnement énergétique significatif sont tous des pays qui vident leurs campagnes et construisent des villes. Tous. Premier déterminant, c'est celui-là. L'engin de travaux publics fait encore plus fort, puisque lui, il pédale un peu plus fort si c'était des jambes, mais en général, ça remplace plutôt du travail de bras. Donc l'engin de travaux publics, lui, il terrasse comme quelques milliers de paires de bras. C'est la raison pour laquelle, quand on construit un pavillon, l'engin de travaux publics, il arrive et en 24 heures, c'est terrassé. Il arrive, pouf, dans la journée, le truc est prêt pour la construction. Si on devait faire ça avec des pelles et des pioches, vous en auriez pour des mois. Voilà. Ça, c'est un petit bout de notre costume d'Iron Man. Les camions. Vous avez dans ce pays une quantité très significative de camions, puisque si je compte les utilitaires de livraison, vous en avez quelques millions. Ils ne sont pas tous aussi gros que celui-là. Celui-là, il pédale comme quelques milliers de fois les jambes du conducteur. Cette machine-là est indispensable au fait que vous mangiez. Parce que si on n'avait plus de camions et plus de transports motorisés, tous les habitants des grandes métropoles mourraient de faim. Mourraient de faim. Parce qu'on serait incapable d'assurer les transports permettant aux villes de se nourrir. Un camion sur trois dans ce pays transporte quelque chose qui se mange. Donc la dépendance de l'alimentation au transport routier, donc à ces grosses machines qui font partie de notre costume d'Iron Man, est totale aujourd'hui. Et enfin, vous avez ici un laminoir industriel. Vous en avez au moins deux en France, qui sont à Dunkerque et à Fos-sur-Mer. Chacun de ces laminoirs développe la même puissance que si je mets au travail la totalité de la population de la plus grosse région française, de la région la plus peuplée en France, uniquement pour taper des tôles toute la journée. Donc, dit autrement, pour remplacer un seul de ces laminoirs avec de la force musculaire, eh bien, je devrais prendre la totalité de la population d'Île-de-France et lui faire taper sur des tôles toute la journée. Pour un laminoir qui emploie 1000 personnes. D'accord ? Donc l'ouvrier qui rentre dans la cabine de pilotage du laminoir, parce qu'il y a un ouvrier dans la cabine de pilotage qui joue à une espèce de Super Mario un peu spécial, cet ouvrier, au moment où il rentre dans la cabine, ce n'est pas le costume qui fait clac, clac, clac avec la lumière qui s'allume au milieu, mais c'est exactement pareil. Il est capable de démultiplier la force de ses bras par 10 millions. C'est Superman. Vraiment, c'est Superman. Cette utilisation des machines a donc permis d'utiliser des esclaves d'une puissance absolument considérable et elle a permis de les utiliser pour un prix qui est devenu totalement ridicule. Donc les 100 watts que j'ai évoqués tout à l'heure viennent du fait que si vous faites 2000 mètres de dénivelé dans la journée, alors là je prends 2000 et pas 4000, c'est pas grave, avec E égale MGH, vous vous rendez compte que vous fournissez une énergie mécanique d'un demi-kilowattheure dans la journée, donc avec 4000 mètres c'est 1 kilowattheure. Et avec les bras, vous êtes plutôt à 10 fois moins quand vous décaissez 15 tonnes de terre sur un mètre dans la journée. Hein, les ampoules en plus. Ce qui veut dire qu'un homme au travail de force, il est capable de fournir dans l'année de 10 à 100 kWh d'énergie mécanique. En face de ça, un litre d'essence ou un litre de pétrole, beaucoup trop cher selon les gilets jaunes, pardon, va vous fournir, après passage dans un moteur, 2 à 4 kWh d'énergie mécanique, c'est-à-dire la même quantité de travail, la même capacité à transformer l'environnement que 10 à 100 jours de travail de force d'un être humain. Je vous le redis autrement, dans un seul litre d'essence, dont les Français consomment plusieurs centaines de litres par an en moyenne, hein, on a beau être dans un pays tout nucléaire, la première énergie finale qu'on consomme dans ce pays, c'est du pétrole. Hein. Les premières croquettes pour machines qu'on utilise dans ce pays viennent du pétrole. Hein, elles ne viennent pas de l'électricité nucléaire. Bien, dans un litre d'essence, un seul, vous avez la même capacité à transformer l'environnement que dans 10 à 100 jours de travail de force d'un être humain. Et alors ça nous a totalement perverti notre économie. Je reviens à ce que je disais au début. Parce que si vous payez la personne au SMIC, donc pas un emploi jeune, pas un malin, un SMIC normal, vous allez payer votre kilowattheure d'énergie mécanique entre quelques centaines et quelques milliers d'euros, alors qu'en face, la machine vous rend le même service pour un coût marginal de quelques dizaines de centimes, c'est-à-dire de quelques centaines à quelques milliers de fois moins. Ce que je viens de vous dire là, c'est la contrepartie de la puissance extraordinaire des esclaves mécaniques qui travaillent pour nous, c'est que transformer l'environnement, faire n'importe quoi, écraser une brame d'acier, terrasser un sol, tisser un fil, déplacer une charge, n'importe quelle transformation de l'environnement,
Les machines le font aujourd'hui pour des centaines ou des milliers de fois moins cher que ce que feraient des hommes. Ce que je suis en train de vous montrer là est à la base de votre pouvoir d'achat, du temps libre, parce que maintenant que les machines bossent pour nous, nous, on n'a plus rien à faire, donc on a du temps pour venir en conférence pendant que les machines sont en train de tisser vos vêtements, de préparer votre bouffe, etc. On a le temps. Exactement comme dans l'ancienne Rome et l'ancienne Grèce, les citoyens libres avaient le temps de discuter de leurs petites affaires pendant que les esclaves bossaient pour eux. Ils n'étaient pas nombreux, les citoyens libres. Il y avait beaucoup plus d'esclaves. On a reproduit exactement le même système, sauf que nos esclaves sont des machines. Ils n'ont strictement rien contre leurs conditions de machines et à qui ça va très bien. Et du reste, les esclaves ont disparu à cause du pétrole. Si vous prenez un esclave, donc vous ne le payez pas du tout, c'est le principe. En général, vous avez affaire à quelqu'un qui aime raisonnablement sa condition d'esclave, ce qui veut dire que pour avoir un esclave, vous allez devoir le chercher contre sa volonté, ce qui va vous coûter de l'argent, vous payez quelqu'un qui l'a fait. Vous allez devoir l'empêcher de vous trucider et de fiche le camp, comme dans Django. Vous allez devoir le nourrir. Et si vous mettez bout à bout tous ces coûts, vous vous rendez compte que même un esclave va vous fournir un travail qui vaut 10 à 100 fois plus cher que la machine, qui n'a rien contre sa condition de machine, qui ne se met pas en grève, qui ne réclame pas d'augmentation et qui travaille toute la nuit et qui ne part pas en vacances. Et quand elle meurt, il suffit de faire venir le plombier, de changer 3 vis et elle repart. Donc vous avez ici l'explication de pourquoi est-ce que notre pouvoir d'achat a considérablement augmenté. Ce n'est pas parce que les politiciens sont des gens qui sont très sympathiques que notre pouvoir d'achat a augmenté. Ce n'est pas parce que les économistes ont du génie que notre pouvoir d'achat a augmenté. C'est parce que Mère Nature a mis à notre disposition du pétrole, du gaz, du charbon d'un côté, du fer pour fabriquer les machines de l'autre et qu'il y a des ingénieurs qui ont trouvé comment tirer parti des deux. Voilà, c'est ça la base de votre pouvoir d'achat et du mien. Et juste ça. Et juste ça. Alors, des croquettes pour machines, combien est-ce qu'on en utilise aujourd'hui dans le monde ? Vous avez ici un graphique qui est la quantité de croquettes pour machines rapportée à la population, donc les kilowattheures par personne, mais c'est la quantité de croquettes pour machines, depuis un siècle et demi. Vous voyez qu'il y a un siècle et demi, les croquettes, c'est du bois. Et on met ça dans des machines qui produisent essentiellement de la chaleur. C'est des poêles, c'est des forges. Voilà, c'est des machines qui produisent peu de mouvement et essentiellement de la chaleur. Après, on s'est mis à utiliser d'autres croquettes pour machines qui sont le charbon. Le charbon sert également à produire essentiellement de la chaleur dans des grosses sources fixes, parce que le charbon se transporte très mal. Et la première utilisation de grosses sources fixes de chaleur, c'est la production électrique. Les 2/3 du charbon actuellement utilisé sur Terre finissent leur vie dans une centrale électrique. Et inversement, comme je disais tout à l'heure, le charbon, c'est 40% de l'électricité produite sur Terre. Après, on a trouvé d'autres croquettes pour machines, mais ce n'étaient pas les mêmes croquettes, c'est des croquettes liquides, alors que les autres, ça, c'est des croquettes solides. Et ça va dans des machines qui n'ont pas la même fonctionnalité, ça va dans des machines qui produisent du mouvement. Le pétrole sert essentiellement à déplacer des objets et des marchandises, et des personnes, pardon. Donc le pétrole, c'est l'énergie reine de la mobilité. 98% de ce qui roule, vole ou navigue sur Terre utilise du pétrole. Sans pétrole, pas de transport. Le gaz est une énergie qui est plus diversifiée, on va dire, qui sert à la fois dans l'industrie, dans la génération électrique et dans le chauffage. On l'a rajouté par-dessus le pétrole, il n'a pas remplacé le pétrole, puis l'hydroélectricité, puis le nucléaire. Et alors là, vous avez tout en haut là, les nouvelles énergies renouvelables rapportées à l'individu. Et évidemment, on ne vous parle que de ça. Nouvelles énergies renouvelables, c'est absolument merveilleux. Donc s'il y a le moindre élu ici qui met le moindre panneau solaire dans son arrière-cour, il a droit à un encart dans la presse. Vous voyez que pour le moment, c'est vachement bien ce truc-là. Ça reste totalement marginal par rapport au gros de notre approvisionnement énergétique, même en France. Parce que dès que vous achetez un truc qui est made in China, vous achetez un truc made in charbon. La consommation indirecte de charbon des Français a considérablement augmenté sur les 15 dernières années. Considérablement augmenté. Parce que ce truc-là est made in charbon. Parce qu'une partie de vos vêtements sont made in charbon, parce que les premières fourchettes et couteaux que vous achetez je ne sais pas où sont made in charbon, etc. Tout ça, made in charbon. Et tous les jouets que vous achèterez à Noël pour le petit dernier, de la cousine, made in charbon. Donc dès que vous voyez un truc made in China, je le répète, c'est made in charbon. Donc en France aussi, on consomme du charbon. L'essentiel de ce qui alimente l'économie mondiale, c'est des combustibles fossiles. Et alors, si je fais ma petite équivalence là sur les esclaves, ou ma petite équivalence que j'ai donnée tout à l'heure là sur le travail humain, eh bien, vous vous rendez compte qu'à un peu plus de 20 000 kWh par personne et par an, eh bien, on a des croquettes
pour faire fonctionner des machines à hauteur de 200 fois l'équivalent de notre propre corps. Dit autrement, le parc de machines sur Terre, avec ses croquettes particulières, a permis de démultiplier par 200 la puissance musculaire de l'humanité, et en France, on est plutôt aux alentours de 600. Je vais vous le redire autrement, s'il n'y avait pas de machines, pour avoir le même niveau de vie, un Français devrait disposer en moyenne de 600 esclaves à son service. Donc le niveau de vie du smicard français, il est hors norme par rapport à ce qu'a toujours été la condition humaine sur Terre. Il n'est pas content parce qu'il y a des gens, professeurs d'université, directeurs d'université, etc., qui gagnent plus que lui. Mais si on regarde en valeur absolue ce qu'il gagne, le niveau de vie qu'il a, les produits et services dont il peut bénéficier, ça n'a rien à voir, même avec ce qu'avait un baron du Moyen-Âge. Rien à voir. Il a considérablement plus. Et la raison de son insatisfaction est à chercher chez M. Tocqueville, qui a expliqué qu'en démocratie, on serait perpétuellement insatisfait de notre sort. Et il a expliqué pourquoi, et c'est une explication qui tient très bien la route. Donc le fait que les gens ronchonnent parce qu'ils ne sont pas contents, c'est une donnée de base de la démocratie. La démocratie, c'est comme ça. Les gens passent leur temps à ronchonner. Ça n'a rien à voir avec ce qu'ils possèdent en valeur absolue. Un de mes associés a cette petite blague que j'aime bien, qui est la définition du salaire minimum, c'est ce que je gagne plus 10%, quelle que soit la personne à qui vous posez la question. C'est une bonne manière de voir la chose. Dans cette affaire-là, je l'ai déjà dit, mais j'y reviens, l'économie nous trompe complètement sur ce qui est en train de se passer. Je ne sais pas si ici on a des cours d'économie, mais si on a des cours d'économie ici, ils sont basés sur cet axiome qui date d'il y a 2 siècles, qui dit que quand on s'occupe d'économie, on ne va regarder que le facteur humain dans la production. On va considérer que la seule chose qui est limitante pour la production, c'est le nombre de gens qui peuvent bosser et le capital humain déjà accumulé. Dit autrement, on va ne regarder que le facteur humain. Le reste, on s'en fout. Dit autrement, la théorisation du système, elle est la suivante. Pour qu'on ait un système productif, il faut qu'on ait des gens qui bossent et du capital humain. Et si on a les deux, le supermarché est rempli. Ce qui explique pourquoi, à chaque fois que le PIB patouille et qu'on estime que le supermarché n'est pas assez rempli, les deux seules mesures que les gouvernements imaginent, c'est botter le cul des chômeurs et botter le cul des banquiers. Le premier étant plus facile que le second, parce que les banquiers résistent mieux et sont plus proches du pouvoir. Donc, mais c'est les deux trucs qu'ils imaginent. C'est à chaque fois, c'est toujours pareil. Alors, botter le cul des chômeurs, ça peut aussi s'appeler « j'abaisse le coût du travail », comme ça, etc. Mais c'est les deux seuls facteurs. Alors, l'ingénieur qui regarde ça se dit « ouais, enfin peut-être, mais enfin pour faire tous les produits et services qui sont à droite, il faut bien avoir pris les atomes quelque part. Ils n'apparaissent pas par génération spontanée, les atomes qui sont dans ces produits. Donc, il faut des ressources naturelles qui contiennent déjà ces atomes. Juste, je vais les transformer, je vais les réarranger et je vais en faire autre chose. D'accord ? J'avais du pétrole, je vais en faire un pistolet à eau, c'est quand même vachement plus sympa. J'avais un sol cultivable et du rayonnement solaire, je vais en faire la tartine beurrée, c'est quand même vachement plus sympa. Donc vous avez vous avez des ressources qui sont nécessaires et en fait tout ce que vous avez dans cette salle, tout ce que vous pourrez acheter du début à la fin de votre existence, tous les services dont vous pourrez bénéficier, sont nécessairement composés de ressources naturelles qui ont été transformées par notre activité. Ça n'est que ça. Vos vêtements, vos meubles, les objets, etc. Ça n'est que des ressources naturelles transformées par nos activités. Donc, il faut des ressources. Dit encore autrement, si vous mettez une usine au milieu du vide intersidéral, je ne pense pas qu'elle va produire grand-chose. Et il faut une capacité de transformation. Et cette capacité de transformation aujourd'hui est assurée un tout petit peu par nos muscles, majoritairement et massivement par les machines. Et le capital, c'est juste dans cette affaire une partie de la production qui ne s'use pas quand on s'en sert et qu'on peut garder pour augmenter la production future. Alors là, on voit qu'apparaissent d'autres facteurs limitants. Par exemple, si vous avez un problème d'accès à l'énergie, qu'il soit subi parce qu'il n'y a plus assez dans les réservoirs ou qu'il soit volontaire parce que vous avez décidé qu'on allait faire des économies d'énergie massive, globalement, le résultat est à peu près le même, vous aurez un défaut de production. C'est la raison pour laquelle les économies d'énergie n'existe que dans les slogans. Ce qu'on aime bien faire, c'est utiliser moins d'énergie par appareil, mais utiliser moins d'énergie tout court, on a horreur de ça. Parce que ça revient à contracter notre costume de Superman, et on n'aime pas ça. Et contracter notre costume de Superman, c'est contracter le PIB. Donc, nous n'avons jamais cherché à faire sérieusement des économies d'énergie en valeur absolue. Jamais. On a toujours cherché à faire sérieusement des économies d'énergie en valeur relative. Par voiture,
et par tourniquette à faire la vinaigrette. Ça, oui. Mais au total, never ever. Et si vous manquez de ressources naturelles, vous manquerez aussi de production. Un exemple, si vous manquez de carrière, eh bien, le BTP se met à avoir un tout petit sujet pour produire des granulats et pour produire du ciment. Voilà, vous pouvez pas. Vous avez beau avoir des ouvriers très motivés et des banquiers très complaisants, si vous n'avez rien à mettre dans vos fours à ciment, vous n'avez pas de ciment. Alors pour le moment, l'énergie n'est pas un facteur limitant mondialement. Par contre, elle a été un facteur développant. Vous avez ici le PIB reconstitué depuis la naissance de Monsieur Jésus-Christ. Alors, c'est, je suis désolé, zéro, c'est ce qui apparaît tout seul sur Excel, mais en fait, le calendrier romain démarre à l'an 1. Donc, il faudrait que je barre ça et que je remplace par an 1. Mais enfin, bon, j'ai la flemme. Ce que vous voyez, c'est que pendant 1000 ans, il n'y avait pas de problème avec les promesses électorales. Il n'y avait pas besoin de promettre la croissance. Il n'y avait pas de croissance. Il n'y avait pas d'élection non plus, vous remarquerez. Donc, le fait qu'on reste dans un système démocratique, dans un monde sans croissance, c'est une question très sérieuse, totalement ouverte pour moi, pas complètement sûr. Jusqu'au début de la révolution industrielle, vous voyez qu'il n'y a quasiment pas de croissance et il commence à y en avoir un peu en Grande-Bretagne, qui est le premier pays qui commence à taper dans son charbon. Mais au moment où on commence à généraliser dans l'Occident l'utilisation des combustibles fossiles, alors là, c'est ras-le-bol, la corne d'abondance se met en route et les économistes nous inventent un truc merveilleux qui s'appelle la croissance structurelle de long terme. Croissance structurelle de long terme. Ah, foutaise. Il y aura de la croissance aussi longtemps qu'il y aura la croissance de l'approvisionnement énergétique. Puis point, quoi. Elle ne sera pas plus structurelle de long terme que. Voilà. Alors, ce n'est pas une très bonne nouvelle pour les jeunes dans cette salle, enfin, c'est pas vraiment. Si vous allez voir le Conseil d'orientation des retraites, allez voir. Il y a un truc qui s'appelle le Conseil d'orientation des retraites. Donc, c'est des gens qui font des plans pour savoir à quoi ressembleront vos retraites quand vous aurez 70 ans. Comment ? Eh bien, je vous donne mon billet. À votre avis, le taux de croissance de l'économie française entre 2020 et 2070, où est-ce qu'il se balade ? Bon, rien du tout. Il se balade entre 1,5 et 1,8% par an, tous les ans, de 2020 à 2070. Allez voir ! Ça s'appelle croissance structurelle de long terme. Il vient de mars, comme chacun sait. Donc, pour le moment, ça marche très bien parce qu'il y a de plus en plus d'énergie. Et en fait, si vous faites un zoom sur les années récentes, ça marche très très bien aussi. Et vous avez ici un graphique dans lequel j'ai mis en abscisse. Alors au début, je l'ai fait pour voir ce que ça donnait, puis c'est qu'après que j'ai fini par comprendre ce qui signifiait vraiment. Mais c'est souvent comme ça qu'on trouve des trucs. C'est, on fait pas. Donc vous avez, pour chaque année, un point sur chaque courbe représente pour chaque année la quantité totale d'énergie utilisée par les hommes, c'est-à-dire la quantité totale de croquettes pour machines, c'est-à-dire le parc de machines en fonctionnement. Et en ordonné, vous avez la valeur économique de la production en monnaie constante. Donc vous voyez, c'est extrêmement simple. Dis-moi combien d'énergie tu utilises, je te dirai combien de machines tu mets en action, et donc je te dirai quelle est ta production économique. Pourquoi pensez-vous que pendant un temps, le PIB français a été supérieur au PIB chinois, alors que jamais dans l'histoire des deux derniers millénaires, la France n'a eu une population supérieure à la Chine ? Parce que pendant un moment, on a eu plus de machines qu'eux. Point. Point. Et puis au moment où ils se mettent à avoir plus de machines que nous, leur PIB repasse devant. Plus de machines en service, évidemment, je précise. Si c'est des machines à l'arrêt parce qu'il n'y a pas d'énergie ou le coronavirus, ça marche moins bien. Et comme l'essentiel de l'énergie qu'on utilise sur Terre est fossile, vous avez ici le drame des négociateurs climat, c'est que vous avez un conflit d'objectifs au premier ordre entre le PIB et le climat. Vous avez un conflit d'objectifs au premier ordre entre le PIB et le climat. Je vais vous le dire autrement. Compte tenu des ordres de grandeur de ce qu'il faut faire, dont je vais vous parler dans pas longtemps, nous n'avons strictement aucune chance de respecter les 2 degrés de l'accord de Paris sans récession. Aucune chance. Je sais pas, peut-être que, je sais pas quoi, etc. Aucune chance. Voilà. Donc il est là notre conflit d'objectifs. Alors maintenant, il faut savoir ce qu'on veut. Ou bien on se dit, tant que ça marche, la corne d'abondance continue, advienne que pourra. Ou bien on se dit, non, c'est pas ça qu'on veut, mais à ce moment, il faut qu'on comprenne que c'est le début de la mise au régime. Mais il faut qu'on choisisse. Alors pour le moment, on ne choisit pas. Pour le moment, on envoie au gouvernement des signaux contradictoires qui sont, on veut la corne d'abondance, manifeste pour les retraites, etc. Mais on veut aussi régler le problème de climat. Ben, ça ne marchera pas.
Donc tant qu'on envoie des signaux contradictoires à un gouvernement qui, par ailleurs, pour l'essentiel de ses représentants, n'est pas mieux informé que l'électeur qui lui envoie les signaux, eh bien, il fait des trucs brouillons et contradictoires. Et ça renvoie à ce que je disais au début de cette intervention. Il tape au hasard en se disant, peut-être avec un peu de chance, peut-être qu'on va me donner crédit du fait que je fais un truc qui est bien. Voilà. Mais c'est exactement ça qu'il fait. Il tape au hasard. Donc l'histoire des 19e et 20e siècles, je peux vous la résumer autrement. On a des choses qui permettent de mettre des machines en route, ça s'appelle des hydrocarbures. Comme toutes les ressources naturelles sur Terre, c'est un cas particulier de ce que je vous ai dit juste avant, le pétrole est gratuit. Le pétrole n'est pas plus payant que le vent. Le pétrole est tout aussi gratuit. Ce qui coûte dans les deux cas de figure, pour le pétrole comme pour le vent, c'est de payer les gens qui vont chercher la ressource et de payer les gens qui ont la bonne idée d'être assis dessus, ou de leur envoyer les chars et les avions. Ou l'expropriation. Enfin, je veux dire, la variante domestique, c'est l'expropriation, qui est une variante des chars et des avions. Vous savez qu'en France, si vous trouvez un truc qui a de l'intérêt à plus de 10 mètres sous le sol de votre terrain, vous n'avez pas de pot. Aux États-Unis, vous avez fait fortune. En France, vous n'avez pas de pot. Pourquoi ? Parce qu'aux États-Unis, ça vous appartient. En France, ça appartient à l'État. Donc l'État vous exproprie pour mettre une mine à la place. C'est pas exactement la même chose. C'est pour ça que le shale oil s'est développé très vite aux États-Unis. C'est parce que c'est à vous sans limitation de profondeur. Donc le pétrole, la formation du pétrole est tout aussi gratuite que la formation du vent. C'est moins compliqué d'y accéder. Donc c'est pour ça qu'on est passé du vent au pétrole. Et cette combustion des hydrocarbures a permis de créer le monde qui nous entoure sous toutes ses facettes. Et en particulier, le fait que les machines bossent à notre place permet de créer du temps libre que nous avons affecté de plein de manières différentes. Donc on a fait des études longues. Donc si les amphis sont remplis ici, c'est grâce à l'énergie. On a fait des retraites. Donc si les retraites sont payées, c'est grâce à l'énergie. On a fait les 35 heures, parce que c'est pas la peine qu'on bosse, puisque les machines bossent à notre place. On a fait les week-ends. On a fait tout ça grâce à l'énergie. Et comme en plus on a plein d'énergie pour se déplacer, en retraite, on prend des voyages organisés pour se changer les idées, hein, quand on en a les moyens. Donc tout ça, c'est l'énergie et les machines qui l'ont permis. Et très accessoirement, on compte ça sous forme de PIB. Alors avant de vous rendre la parole, deux petits éléments rapides sur un goulet d'étranglement à l'aval qui s'appelle le changement climatique et un goulet d'étranglement à l'amont qui s'appelle la disponibilité en combustible fossile. Alors à l'amont, on n'en parle pas. Ça passe sous l'écran radar de la quasi-totalité de la presse qui n'est à peu près au courant de rien, y compris quand elle pourrait être au courant de quelque chose. On va commencer par un tout petit rappel de maths. Ces combustibles fossiles, là, leur temps de formation entre les organismes vivants dont ils sont issus et le moment où vous les avez prêts à l'emploi sous le sol, se balade quelque part entre 5 millions d'années et 400 millions d'années. Et le gros de ce qu'on trouve sous le sol, c'est entre 150 et 400 millions d'années. D'accord ? Entre 100 et 400 plutôt. Entre 100 et 400. Donc c'est renouvelable si vous avez le temps d'attendre 300 millions d'années. Mais comme en général, quand on a des comptes trimestriels à rendre, on est un peu plus pressé que ça, on peut considérer qu'aux échelles de temps qui nous intéressent, ce n'est pas renouvelable du tout. Et on a une quantité qui est donnée une fois pour toutes sur Terre. Alors quand vous tapez dans un stock qui est donné une fois pour toutes sous Terre, ce que je vais vous dire vaut pour les hydrocarbures, mais ça vaut aussi pour le minerai de cuivre ou le tungstène ou le vanadium. Ça vaut pour toutes les ressources minérales. Hein. Vous ne pouvez pas avoir une extraction indéfiniment croissante en provenance de ce stock. Ça, c'est interdit. Sinon, ça veut dire que votre stock est infini. Vous ne pouvez même pas avoir une extraction indéfiniment constante en provenance de ce stock. Donc, vous n'avez pas le droit, tous les ans, à la même chose jusqu'à la nuit des temps. Même ça, c'est interdit. En fait, les maths vous permettent de démontrer... et donc si j'étais désagréable avec les élèves ingénieurs dans cette salle, je leur ferais démontrer ce théorème. Si, ça se démontrait facilement. En pareil cas, vous avez juste droit à une extraction qui part de zéro si vous remontez suffisamment loin dans le temps, qui finira à zéro si vous allez suffisamment loin dans le futur, et entre les deux qui passe par un maximum absolu. D'accord ? C'est un théorème de maths qui se démontre très facilement par l'absurde. Dit autrement, en ce qui concerne le pétrole, comme le gaz, comme le charbon, comme le minerai de cuivre, comme les diamants et l'or, je suis désolé pour les gens qui vont se fiancer, eh bien, vous aurez ce qu'on appelle un pic. Alors, pour le pétrole, la bonne nouvelle, c'est que pour une large partie du pétrole, on n'a pas besoin de se gratter la tête pour savoir quand est-ce qu'il arrive, il est déjà passé. Qui, dans cette salle, a eu vent de ce document ? Alors, les autres ont mal au bras, vous n'êtes vraiment pas nombreux.
Ça aurait justifié un peu plus les gros titres de la presse que de savoir si l'engin de Monsieur Castaner, non, de Monsieur Griveaux, pardon, a été envoyé au bon destinataire ou pas. Enfin, je m'en fous complètement. Ça ne va pas changer votre vie. Ça, je peux vous assurer que ça change votre vie, partout et tout le temps. Ce que dit ce rapport de l'Agence internationale de l'énergie, sorti en décembre 2018, c'est que si vous excluez le pétrole qu'on appelle de schiste aux États-Unis, mais qui est en fait la bonne appellation devrait être du pétrole compact de Rochemer. Bon, bref, pétrole de schiste. Et si vous excluez ce qui vient des sables bitumineux au Canada, vous savez, ces grandes mines à ciel ouvert, là, dans lesquelles vous avez des engins de mine qui brassent des trucs un peu noirs, là, c'est dégueulasse. Si vous excluez ces deux composantes de la production mondiale, tout le reste décline depuis 2008. Tout le reste décline depuis 2008. D'accord ? Qui était au courant ? Qui se rappelle qu'en 2008, il y a eu le début d'une petite crise financière qui a atteint son paroxysme en 2009 ? Ça, c'en est la cause directe. Ça, c'en est la cause directe. À partir de 2005, la production de pétrole n'augmente plus dans le monde. À cause du fait que le pétrole est un facteur limitant pour les transports disponibles sur Terre, vous allez avoir une force de frottement qui va s'appliquer aux échanges sur la planète. Et cette force de frottement va se traduire par le fait que le PIB commence à ralentir dans tous les pays occidentaux. Une fois que le PIB commence à ralentir dans les pays occidentaux, la montagne de dette que nous avons commencé à créer depuis le premier choc pétrolier, comme par hasard, c'est aussi à ce moment-là que ça démarre, est attaquée par un PIB en baisse, et notamment le retournement des prix de l'immobilier aux États-Unis attaque le crédit revolving. Alors c'est un système complètement crétin, mais c'est comme ça, que vous avez aux États-Unis où l'endettement des ménages n'est pas basé sur ce qu'ils gagnent, mais sur la valeur de leurs actifs. Donc plus le prix de l'immobilier monte, plus ils s'endettent. Puis le jour où le prix de l'immobilier descend, ils sont incapables de rembourser la dette, et ils peuvent plus s'endetter encore plus puisque le prix de l'immobilier descend. Et à ce moment, on vient leur dire « paye mon coco », ils ne peuvent pas, on saisit les logements. Du coup, le prix de l'immobilier descend encore plus parce qu'il y a plein de trucs à vendre sur le marché. Du coup, il y a encore plus, etc. Donc, vous avez un effet boule de neige et vous avez un bout de la dette qui disparaît et tous les produits titrisés qui vont derrière et qui foutent le bordel dans la finance mondiale. Le déterminant conjoncturel de cette affaire est là. Il est là. Alors, il se trouve que depuis, vous avez eu un surplus de production venant du pétrole dit de schiste et des sables bitumineux. Mais le pétrole dit de schiste, sa production va s'arrêter de croître dans les années à venir. Alors, il y a une bataille en ce moment qui fait rage pour savoir si c'est en ce moment ou si ça sera en 2025. Mais enfin, vous serez tous bien vivants quand ça arrivera, pour l'essentiel dans cette salle. Enfin, je vous le souhaite. Et à ce moment-là, comme tout le reste de la production mondiale décline, la production de pétrole mondiale déclinera. Et à ce moment, l'économie déclinera. Et vous aurez de nouveau une grosse marche d'escalier dans l'économie mondiale. Et à ce moment, on refera un plan de sauvetage des retraites parce que le précédent ne marche pas, malgré que le Conseil d'orientation des retraites nous ait permis la croissance structurelle de long terme. Ce que je viens de vous dire se traduit sur cette courbe-là. Ici, vous avez une courbe qui est absolument cardinale pour faire de bonnes prévisions, qui est en rouge la variation de la quantité de pétrole qui sort des puits terrestres. Il s'agit bien d'une quantité, pas du prix, je me contrefous du prix dans cette histoire. Et en bleu, vous avez la variation du PIB par personne sur Terre. Ce que vous voyez, c'est que, à l'évidence, le pétrole est aujourd'hui le premier facteur limitant de l'économie mondiale. L'économie mondiale est aussi vaste, aussi importante que la quantité de pétrole sortie de terre lui permet d'être. Pas plus, pas moins. Et vous voyez que quand il y a un décalage chronologique, c'est d'abord le pétrole qui varie et ensuite le PIB qui varie, ce qui interdit que le PIB varie parce que ça vient de Mars et que comme on serait plus riche, on consomme plus de pétrole. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. C'est parce qu'on a plus de pétrole, on est plus riche. Parce qu'on fait fonctionner plus de machines et on fait communiquer plus de machines entre elles. Et donc on augmente la production économique. Alors en Europe, voilà à quoi ressemble l'approvisionnement pétrolier européen. Il a cru très fortement jusqu'au choc pétrolier. C'est à peu près stabilisé entre les chocs pétroliers et 2006. Et depuis 2006, comme aux États-Unis, soit dit en passant, il a commencé à baisser. L'approvisionnement de la mer du Nord est en rose. La production de la mer du Nord, pardon, est en rose. Vous voyez qu'elle est passée par son pic en 2000. Les importations sont en vert. Et vous voyez que depuis 2006, c'est-à-dire le début du plafonnement de l'offre pétrolière mondiale, eh bien, elles ont commencé à décliner. Alors là, ça s'est redressé parce qu'avec le prix très élevé du pétrole des 5 dernières années,
Les pétroliers ont investi massivement pour mieux racler les fonds de tiroir parce que c'était rentable. Et les pétroliers américains ont massivement développé le shale oil en pensant qu'ils allaient gagner de l'argent, ce qui ne leur est jamais arrivé, soit dit en passant. Hein. Le shale oil est une machine à cash flow négatif depuis le début de son histoire. Voilà, j'y reviendrai s'il y a des questions. Donc ce truc-là ne va pas durer éternellement et ça va repartir à la baisse dans probablement assez peu de temps. Le pétrole est la première énergie consommée en Europe. La première. Le mot pétrole n'existe pas, ne figure pas, n'est pas écrit dans la feuille de route de la nouvelle commissaire européenne à l'énergie. Donc si vous allez regarder la feuille de route de la nouvelle commissaire européenne à l'énergie, Madame Kadri Simon, je ne sais plus, sur le site de la Commission, vous faites un CTRL-F avec pétrole, vous savez maintenant les technologies modernes vous permettent de faire ça, vous ne trouvez pas ce mot pétrole. Il n'existe pas. Donc l'économie qui est la plus structurante, l'énergie pardon, qui est la plus structurante sur l'économie mondiale et européenne, qui représente la moitié du CO2 émis en Europe, qui représente un tiers de l'énergie qu'on consomme en Europe, n'existe pas dans la feuille de route de la commissaire européenne à l'énergie. C'est vous dire si on est à la ramasse sur le sujet. On est juste à l'ouest, totalement à l'ouest. Et en France, c'est pareil, soit dit en passant, hein, pas de sujet sur le pétrole. Le gaz. Alors, en Europe, nous consommons aussi du gaz. Ce gaz vient essentiellement aujourd'hui de la mer du Nord, qui a passé son pic en 2005. Et depuis que la mer du Nord a passé son pic, la quantité de gaz qu'on utilisait en Europe, qui n'arrêtait pas d'augmenter, instantanément s'oriente à la baisse. Parce que le gaz s'importe beaucoup plus difficilement que le pétrole, parce qu'il est gazeux. Tant bien que le gaz soit gazeux. Hein. Et comme il est gazeux, il est 1000 fois moins dense énergétiquement par unité de volume que le pétrole. Donc il se transporte beaucoup plus difficilement. Voilà, si on faisait des trous partout, pas très loin d'ici, du reste dans les Cévennes, tant mieux pour vous. Voilà ce que ça donnerait s'il y a du gaz dans la roche-mer, ce qui n'est pas complètement sûr. Donc c'est juste pas un débat. Nous avons également du charbon en Europe. Il se trouve que nous tapons dans nos mines de charbon depuis 2 siècles et la production européenne de charbon, alors ça n'apparaît pas sur cette courbe, mais vous la voyez décliner, la production européenne de charbon est passée par son maximum dans les années 60 en Europe et depuis les années 80, parce que là sur cette série j'utilise c'est que les années 80, elle a quand même perdu quasiment les 3/4. Ce n'est pas une affaire de climat. En 1980, on se contrefoutait du climat. Et la raison pour laquelle il y en a de moins en moins, c'est juste qu'il y en a de moins en moins dans les mines. Quand Mme Thatcher a fait fermer les dernières mines anglaises, ce n'était pas une affaire de climat. Quand les Français ont fermé les dernières mines des charbonnages de France, ce n'était absolument pas une affaire de climat, c'est juste qu'il n'y en avait plus. Voilà. Et comme le charbon est un pondéreux solide et qui se transporte mal, eh bien les importations de charbon ne compensent pas la baisse du déclin régional. Donc quand il y en a moins, il y en a moins, même si ça pollue, etc. Ce qui veut dire que si vous regardez l'approvisionnement européen par personne en énergie, c'est-à-dire la quantité de croquettes pour machine par personne, donc la quantité de machine par personne, eh bien vous voyez qu'il y a un premier temps où ça augmente fortement jusqu'au choc pétrolier, ça c'est les 30 glorieuses, c'est l'économie que les cheveux blancs dans cette salle ont connue quand ils étaient petits. C'est l'économie qui a permis à tous nos parents d'avoir bagnole, machine à laver, pavillon de banlieue ou appartement, etc. Ralovli, la corne d'abondance tourne à plein régime. Entre les chocs pétroliers et 2006, la corne d'abondance commence à se gripper un peu. C'est-à-dire que la quantité de croquettes pour machine n'augmente plus, elle ne baisse pas non plus, elle reste stable. Du coup, les ingénieurs font leur boulot, ils optimisent un peu les machines quand même, donc on a un tout petit peu plus de production venant des machines, mais pas beaucoup plus. Et à ce moment-là, on commence à avoir dans tous les pays occidentaux deux problèmes qui surviennent, le chômage et la dette, parce qu'au moment des 30 Glorieuses, on a cranté un système de redistribution. On augmente les fonctionnaires à l'ancienneté, on ne les vire pas, on indexe les retraites sur je ne sais pas quoi. Enfin bon, bref, on a tout un système de redistribution qui est calé sur un rythme d'augmentation du PIB de 3 à 5% par an. Et pouf, les croquettes pour machines ne sont plus là et le PIB n'augmente plus à la même vitesse. Donc on est coincé entre une redistribution qu'on est tenu d'assurer et des recettes qui ne sont plus là. À ce moment, qu'est-ce qu'on fait ? Dans tous les pays, on se met à s'endetter. Ce n'est pas propre à la France. Tous les pays occidentaux se mettent à s'endetter au même moment et démarrent une pyramide de Ponzi qui s'appelle les obligations souveraines. Et en 2006, deuxième coup de pied dans la fourmilière, et alors là, c'est merveilleux, on commence à voir apparaître des taux négatifs, du quantitative easing, de la création monétaire absolument massive, etc. Tout ça fait absolument pas repartir l'économie. Par contre, ça fait augmenter la montagne de dette
à une vitesse vertigineuse. Une partie de cette dette ne sera évidemment pas remboursée. Donc vos parents qui ont de l'assurance vie, un jour on leur dira « on est désolé les cocos, votre assurance vie, ça ne vaut plus rien ». Alors il y a deux manières de leur dire. La première manière, c'est de leur servir des rendements qui sont perpétuellement inférieurs à l'inflation. Et voilà, on a déjà commencé à faire ça avec le livret A, etc. Deuxième manière, c'est de leur prélever des frais sur les comptes courants. Là, trois fois, voilà, il y a plein de manières. Et il y a une autre manière qui est le défaut. De temps en temps, on dit une partie de la dette, on ne la remboursera pas. Là, vous aviez des obligations grecques, bah, mauvaise nouvelle, il n'y en a plus. Bon. Voilà, mais c'est évident qu'une partie va disparaître. C'est juste pas possible de rembourser toute la montagne de dette qu'on a créée avec des vrais revenus, j'ai envie de dire. Et si vous regardez le PIB par personne sur cette époque, eh bien, vous voyez trois périodes. La période des 30 glorieuses, de plus en plus de croquettes pour machines par personne. La période des 30 piteuses, le PIB par personne continue d'augmenter, mais ça se fait au prix d'une dette qui n'arrête pas d'augmenter. Et après 2006, alors là, c'est quasiment zéro, jusqu'à ce que le PIB recommence à augmenter un peu grâce au shale oil il y a quelques années. Mais à ce moment-là, on dit aux Anglais, est-ce que ça vous plaît cette affaire-là? Et les Anglais disent non, ça ne nous plaît pas, non. Ça ne nous plaît pas du tout, parce que dans une Europe dans laquelle il n'y a plus de croissance, eh bien, si on met les pays de l'Ouest en compétition avec les pays de l'Est, il se passe la même chose que quand vous avez une différence de potentiel dans un conducteur. Il y a du courant et ça s'équilibre. Eh bien là, la manière dont la différence de potentiel s'équilibre, c'est que les gens qui étaient payés avec des salaires de l'Est passent à l'Ouest pour être payés avec des salaires de l'Ouest, mais qui font quand même un peu baisser, puis créer de la concurrence locale. Et les investisseurs qui avaient des usines à l'Ouest délocalisent les usines à l'Est. Et donc mettent au chômage une partie des gens des pays de l'Ouest. Et on demande aux gens, est-ce que vous êtes contents? Et ils disent non. Pas très étonnant. Voilà, donc la fin de cette affaire, c'est que nous allons vivre l'avenir dans un monde dans lequel la croissance n'existera plus. Et donc il faut penser les moyens de lutter face au changement climatique et à l'érosion de la biodiversité, non pas à moyen croissant, mais à moyen décroissant. C'est beaucoup plus sport. Dans un monde à moyen croissant, le seul job du politique, c'est de distribuer du rap de sucette. Le premier crétin venu, moi y compris, c'est faire ça. Aucun problème. Le monde qui nous attend est un monde dans lequel nous allons devoir distribuer une pénurie de sucettes. Ça va être beaucoup plus sport. Ça va être beaucoup plus sport. Alors, de quel problème parlons-nous quand on parle de problèmes liés au changement climatique qu'on va devoir gérer avec moins de sucettes? Je vais vous donner quelques rapides aperçus sur la question. Vous avez ici l'Europe, alors pas actuelle, on va dire du XXe siècle, ou du début du XXe siècle, à partir du moment où on ne supprime pas les écosystèmes installés pour y mettre autre chose, essentiellement des cultures. Vous avez ici l'Europe il y a 20 000 ans, au moment où nous sommes au cœur de la dernière ère glaciaire, qui, comme je vous le disais tout à l'heure, est un des régimes climatiques que nous avons connus au cours de l'ère quaternaire. Donc le climat est beaucoup plus froid, sinon ça ne s'appellerait pas une ère glaciaire, et la géographie est significativement différente. D'abord, vous n'avez pas de Suédois qui viennent à Polytech Montpellier en se disant quand même le climat est plus sympa. Il n'y a pas de Suédois, pas de Danois qui font pareil, etc. Les Allemands et leurs centrales à charbon ne sont pas un problème. Le nord de l'Allemagne est essentiellement sous la glace. Et les Écossais et leur rugby, pas un problème non plus. Tout ce beau monde est sous la glace, les Canadiens aussi, soit dit en passant, parce que des énormes glaciers se sont constitués aux hautes latitudes nord à cause de la température. Pour faire ces gros glaçons, on a pris beaucoup d'eau dans l'océan, et donc le niveau de l'océan a baissé de 120 mètres, ce qui veut dire que le Brexit à l'époque n'aurait pas eu lieu, puisqu'il y avait une continuité territoriale entre la France et la Grande-Bretagne. On n'aurait pas non plus paumé nos éconocroques dans Eurotunnel, c'était pas la peine de le faire. Enfin, juste pour le fun si on voulait, mais... et vous voyez que le trait de côte a significativement changé sur la partie atlantique, un peu moins sur la Méditerranée, mais l'océan a quand même suffisamment baissé pour qu'on puisse rentrer dans la grotte Cosquer à pied, alors qu'aujourd'hui, on y rentre qu'en scaphandre autonome. Le climat est beaucoup plus froid, donc beaucoup plus sec, et les écosystèmes installés aux latitudes qui correspondent à la France ressemblent à ce que vous avez aujourd'hui au nord de la Sibérie. Une descente en latitude assez significative. Et sur ce territoire français, les agents du recensement de l'époque nous disent que vous avez une population qui est du même ordre de grandeur que celle de l'agglomération de Montpellier, qui est plus grosse, hein, mais c'est de même ordre de grandeur. On est dans la centaine de milliers de personnes. Donc vous n'avez pas beaucoup de monde à l'époque, et nos ancêtres sont occupés à se nourrir comme ils peuvent.
en mangeant des baies et des mammouths. Quand la Terre est passée de l'état, enfin, quand l'Europe, pardon, est passée de l'état de gauche à l'état de droite, ça correspond à l'évidence à un réchauffement planétaire. D'accord ? La Terre dans son ensemble s'est réchauffée et l'Europe est passée de l'état de gauche à l'état de droite. Eh bien, le réchauffement planétaire qui a engendré cette modification de l'Europe, c'est juste 5 degrés de réchauffement en 5 à 10 000 ans. Dit autrement, il y a 10 000 ans, la température, il y a 20 000 ans, pardon, la température était 5 degrés plus basse que ce qu'elle était il y a 10 000 ans, en moyenne planétaire. Juste 5 degrés. Pas 50, pas 500, 5 degrés, 5 petits degrés. Donc 5 degrés de plus, ou même 4, ou même 3, ça sera une modification de l'environnement très très au-delà de ce que nos sociétés sédentaires, au surplus en déficit d'énergie, seront capables de gérer dans la joie et la bonne humeur. Donc, si je fais un truc très très sommaire sur les conséquences, c'est la guerre partout, en gros. C'est le retour des régimes totalitaires et c'est la violence. Parce que les gens, dans un certain nombre d'endroits, n'auront plus à bouffer, parce que les gens iront chez le voisin où quand même c'est plus sympathique, etc. etc. Voilà, c'est exactement ça qui va se passer. Et donc, on n'aura plus de problème non plus de promesses électorales dans ce monde-là. Tout petit zoom sur quelques conséquences. Ici, vous avez par exemple, dans un monde qui s'est réchauffé de 4 degrés, le nombre de jours où les conditions extérieures ne vous permettent pas de rester en vie. Tout simplement parce qu'il fait trop chaud et trop humide. Et donc, vous ne pouvez pas transpirer et donc vous mourrez d'hyperthermie. Alors, vous voyez, il y a un certain nombre d'endroits. Donc, lui, la déforestation, le problème est réglé, parce qu'il n'y a plus d'Indonésiens, vous voyez, quasiment plus. Ici, vous avez une évolution des précipitations sur Terre avec un monde réchauffé de 2 degrés. Et vous pouvez constater quelque chose qui est évidemment très ennuyeux pour nous et que les plus vieux dans cette salle ont déjà commencé à constater pour la région dans laquelle ils habitent. C'est que le pourtour du bassin méditerranéen va s'assécher, globalement. Et évidemment, quand il y a moins de précipitations, vous avez notamment pour conséquence que les sols s'assèchent, surtout qu'il y aura plus d'évaporation. Et ça, ça va avoir pour conséquence que les rendements agricoles vont baisser. Sur une planète qui, paraît-il, doit voir sa population augmenter. Donc, la superficie cultivable par personne baisser. Mais alors que ce qui a permis l'augmentation des rendements, sur les 50 dernières années, c'est essentiellement les énergies fossiles à travers la mécanisation agricole et les engrais. Tout ça demande de l'énergie fossile. Voilà. Donc, il va y avoir un petit sujet sur la disponibilité alimentaire. C'est la raison pour laquelle le GIEC nous dit que à partir de 3 degrés, 2,5, 3 degrés de hausse du climat planétaire, il y a de l'insécurité alimentaire généralisée sur la planète. Et l'histoire nous apprend que l'insécurité alimentaire engendre de l'insécurité politique. C'est une grande, grande loi du genre. Hein, ventre affamé, mais un point d'oreille. Ici, vous avez la propension qu'ont les forêts françaises à brûler aujourd'hui, enfin plus exactement à la fin du XXe siècle. Là, vous avez la même chose en 2040. En Australie, alors que la température n'a augmenté que de 1 degré et que ça n'est bien évidemment pas la seule cause, mais l'Australie traverse quand même une sécheresse historique et une vague de chaleur historique, vous avez la moitié de la superficie française qui est partie en fumée. La moitié de la superficie française. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Alors l'Australie, c'est grand, mais enfin, la moitié de la superficie française. 20 millions d'hectares, un peu moins. Un peu moins de la moitié de la superficie française. Ce qui est d'autant plus triste, c'est qu'une bonne partie de ce qui a été brûlé était dans des parcs nationaux. Donc c'est là justement où la végétation était la plus sympathique, avec évidemment des destructions d'écosystèmes, d'animaux, etc. Je vais être un peu provocant, ce n'est pas les 28 morts qui sont le problème premier. Je veux dire, le tabac tue beaucoup plus que ça. Par contre, les 20 millions d'hectares qui ont cramé, il y en a une bonne partie, vous ne les reverrez pas. Pas sous cette forme. Les phénomènes extrêmes vont augmenter, notamment les ouragans, mais probablement aussi les orages, tout simplement parce que dans un monde qui se réchauffe, la température près du sol augmente, mais corrélativement, la température de la stratosphère baisse. Donc le gradient de température, la différence de température entre le bas et le haut de la couche la plus basse de l'atmosphère augmente, et donc la puissance de la pompe convective augmente. Et donc ça, ça va vous augmenter l'intensité de tous les phénomènes extrêmes qui sont mis en route par une pompe convective. Là-dedans, vous avez les ouragans à la surface de l'océan, mais les orages. Le Groenland a commencé à fondre et maintenant le système a des boucles de rétroaction positives, donc ça ne va pas s'arrêter. Et vous avez un risque de déstabilisation de la calotte antarctique de l'Ouest ici, qui est un vaste château de cartes de glaciers
arc-boutés les uns sur les autres, l'ensemble étant posé sur un socle rocheux qui est sous-marin et en déclivité. Donc le truc est assez instable. Et si les émissaires, c'est-à-dire les glaciers qui bordent la mer, commencent à se déstabiliser, vous avez un vrai risque que l'ensemble passe dans l'eau sous forme de gros icebergs. Alors ça, ça fait 6 mètres d'eau en plus dans l'océan mondial. Ça, ça fait 3 à 6 et on parle de quelques siècles. Donc vous attendez quelques siècles et vraisemblablement, les Pays-Bas ressembleront à ça. Donc à ce moment, les Wallons et les Flamands ont intérêt à bien s'entendre. Le CO2 qui repasse dans l'eau acidifie l'eau, ce qui va poser des problèmes à la synthèse du calcaire pour tous les organismes micro ou macro qui ont besoin de synthétiser du calcaire dans l'océan. Voilà. Pour le moment, ça ne dérange pas trop les homards, donc on va dire que l'essentiel est sauf. Mais non. Vous avez un certain nombre de... Donc une partie du phytoplancton est menacée, etc. La dérive nord-atlantique, ce qu'on appelle classiquement le Gulf Stream, mais en fait c'est la dérive nord-atlantique, pourrait être affectée par cette affaire. Dans le passé, on sait qu'il y a des moments où elle s'est arrêtée brutalement. Là, la question est ouverte en ce qui concerne l'avenir. Quand vous chauffez le bouillon de culture, les petites bêtes aiment bien ça. Donc, évidemment, ne me faites pas dire que le coronavirus, c'est la conséquence du réchauffement climatique. Par contre, ce qui est sûr, c'est que le réchauffement climatique favorisera l'apparition de nouvelles souches de toutes sortes, puisque quand vous chauffez le bouillon de culture, en général, c'est plutôt bon pour les petites bêtes qui sont dedans. Le début de réchauffement a tendance à relarguer du carbone qui était immobilisé dans des tas de réservoirs où il était stable depuis des milliers, voire des millions d'années. Et enfin, la dernière phrase qui est la plus importante, vous dit que dans un système complexe où on fait une expérience pour la première fois, la seule chose qui est absolument certaine, c'est qu'on n'est pas capable de tout prévoir. Donc autant la science est capable de nous donner suffisamment à voir pour comprendre qu'on est vraiment en train de jouer avec le feu, au sens propre du terme. Avec tout ce que je vous ai dit ce soir, normalement, il y a largement de quoi commencer à se dire qu'on va vraiment se botter les fesses pour éviter une partie des emmerdements. Autant ça n'a pas de sens de demander à la science de vous faire une description extrêmement précise de ce qui pourrait se passer en 2048 si la température est montée de 1,63 degrés en Australie et le 5 février. D'accord ? C'est juste pas la peine. Et est-ce qu'on pourra toujours avoir des usines ERTA de fabrication de jambon sous plastique dans ce monde-là ? Je sais pas, d'accord. Donc ça, c'est des questions auxquelles la science n'est pas capable de répondre. Ce qui veut dire, comme le dictionnaire est bien fait, que si on a des surprises, ça veut dire qu'à mesure que le temps passe et que le phénomène s'amplifie, on verra arriver de manière croissante des disruptions qu'on n'avait pas vu venir à l'avance et face auxquelles on est démunis. Et à partir du moment où elles arrivent, à cause de l'irréversibilité de l'évolution dont je vous ai parlé, la seule garantie que vous avez à ce moment-là, c'est que c'est pire derrière. C'est ça, notre situation. Donc on fonce dans le brouillard, de plus en plus vite, avec de plus en plus de cailloux, de clous et d'icebergs sur la chaussée, en faisant confiance à je ne sais pas quoi, pour que le problème se résolve de lui-même. Bah non, il ne se résoudra pas lui-même. Et je vais finir avec ça. Si on veut le résoudre, quelle est l'équation de l'affaire ? Vous avez ici une deuxième courbe avec une série de simulations, mais ça reproduit une droite en gros, donc retenez que c'est une droite. Cette droite, elle fait se correspondre la quantité totale de CO2 qu'on mettra dans la baignoire atmosphérique entre le moment où on a commencé à faire joujou avec la machine à vapeur et 2100, donc entre 1870 et 2100, on va dire. Et ici, vous avez la réponse en température du système planétaire entre 1850 et 2100. Dit autrement, vous regardez la quantité totale de CO2 qu'on met dans la baignoire sur cette durée. Et ça vous dit de combien le climat se réchauffera d'ici à 2100. C'est très très simple, d'accord ? C'est linéaire. À fin 2018, on avait mis 2250 milliards de tonnes de CO2 dans l'atmosphère, et donc nous avons déjà embarqué 1,5 degré de réchauffement. Il n'est pas là en totalité, puisque je vous ai dit que la dérive climatique des 20 prochaines années était déjà écrite, mais il est déjà embarqué. Donc les 1,5 degrés, on va se les taper, quoi qu'on fasse. D'accord ? Même si on arrêtait les émissions demain matin. Une autre manière de dire ça, c'est que l'objectif politique des 1,5 degrés, il est déjà mort. D'accord ? Donc c'est pas la peine d'avoir un objectif politique des 1,5 degrés, il est déjà mort. Les gens qui pensent à ce genre de truc pensent à des scénarios dans lesquels, tels les Shadocks, on serait capable de pomper du CO2 de l'atmosphère, enfin en provenance de l'atmosphère, pour le remettre sous le sol. Un petit raisonnement physique tout bête vous dit que pour récupérer le CO2 et le remettre sous terre, quand il est présent à des concentrations ridicules, sachant qu'il est chimiquement inerte,
On n'y est juste pas. Enfin, la quantité d'énergie qu'il faudrait pour faire ça serait absolument faramineuse et on remettrait plus de CO2 dans l'air, quoi. Ça ne marcherait pas. Si on veut tenir les 2 degrés, alors physiquement et sur le papier, c'est encore possible. Ça veut dire qu'on doit limiter les émissions cumulées à 3000 milliards de tonnes, dont 2250 ont déjà été émises. Si on veut tenir cette équation, ça veut dire en gros qu'il faut que les émissions tombent à zéro quelque part dans la deuxième moitié du 21e siècle. Et ça veut dire que d'ici à 2050, on doit, par exemple, les diviser par pas loin de 3. Dit autrement, d'ici à ce que les étudiants dans cette salle aient mon âge, voire un tout petit peu moins que mon âge, il faut que les émissions planétaires soient divisées par 3. Donc il faut que ce qui est à la base de notre pouvoir d'achat, de la concentration urbaine, des retraites, etc., soit divisé par 3 en l'espace de 30 ans pour qu'on tienne les 2 degrés. Ça veut dire moins 4% par an à partir de la semaine prochaine. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Ou bien on est capable de faire ça et on tient les 2 degrés, ou bien on n'est pas capable de faire ça et on aura plus que 2 degrés. Très simple. La dernière chose qu'il faut avoir en tête dans cette affaire, c'est que les dommages ne sont pas proportionnels à l'élévation de température. Donc, avant de passer aux questions, je vais finir là-dessus. Les dommages ne sont pas proportionnels à l'élévation de température. Là, je vous ai présenté 2 courbes qui étaient raisonnablement linéaires. La première, c'était énergie PIB. La deuxième, c'était CO2 cumulé température. Une courbe qui, par contre, n'est pas du tout linéaire, c'est élévation de température, dommage. On a tous l'illusion linéaire, qui est de se dire si j'ai un dommage qui est 2 fois plus important, enfin si j'ai une cause qui est 2 fois plus importante, les dommages vont être 2 fois plus importants. Or, en ce qui concerne le système climatique, ce n'est pas comme ça qu'il faut raisonner. Alors, je vais vous donner un parallèle qui est votre propre corps. Votre propre corps est ajusté à 37 degrés. Si vous avez un réchauffement climatique de votre corps à 38, bon, vous êtes un peu patraque, vous pouvez probablement rester à 38 longtemps, certains temps, avant de finir par y aller assez longtemps. Si je vous passe votre température interne à 42, ce n'est pas 5 fois plus grave que si je vous passe à 38. Donc vous n'êtes pas patraque pendant 5 jours, au lieu d'être patraque pendant 1 jour. Vous êtes mort. En ce qui concerne le réchauffement climatique, c'est exactement pareil. Il faut se sortir de la tête l'idée que 2 degrés de réchauffement, c'est 2 fois plus grave que 1 degré. C'est peut-être 500 fois plus grave. Et 3 degrés de réchauffement, c'est peut-être 10 000 fois plus grave. D'accord ? Donc il faut se sortir, on ne sait pas. Ce que je vous dis, c'est j'aurais pu vous dire 10 000, je pourrais vous dire 37, ou je pourrais vous dire 42 ou 3 millions. Bon. On ne sait pas. D'accord ? Mais la seule chose qui est absolument certaine, c'est que le système climatique étant truffé de processus à effet de seuil, 2 degrés, ce n'est pas 2 fois plus grave que 1 degré, c'est considérablement plus grave que 1 degré. C'est ça qu'il faut garder en tête. Dit autrement, tout degré supplémentaire de réchauffement qu'on est capable d'éviter est bon à prendre. Comme ça qu'il faut raisonner. Voilà, je suis ravi que vous soyez venu ici plutôt qu'au cinéma. Et maintenant, si vous avez des questions, la parole est à vous.